Bonjour à toutes et à tous, bonjour chers collègues, monsieur le ministre. Je vous propose de démarrer nos travaux. Nous avons tout d'abord en excusé madame Laffut. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Et monsieur Furlan. Alors, nous avons un ordre des travaux. Y a-t-il des remarques, des demandes, observations sur l'arriéré, au niveau de l'arriéré de la commission? Je n'en vois pas. Oui, merci. Alors, le calendrier des prochaines réunions. Donc, pour rappel, le 28 du 3, le 25 du 4 et le 9 du 5 pour nos trois prochaines. Voici qui est fait. Je vous propose donc de poursuivre notre commission avec, dans notre ordre du jour, les interpellations et questions orales. Et de démarrer directement avec la question de M. Evrard concernant la stratégie immobilière de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Monsieur Evrard, je vous en prie, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Trois questions pour adresser à Monsieur le Ministre pour faire un peu un état des lieux. Et la première concerne la stratégie immobilière de la Fédération. À l'instar de ce que nous avons fait il y a quelques semaines, quelques mois, concernant les bâtiments scolaires. Vous aviez annoncé, Monsieur le Ministre, vouloir, notamment pour ce début d'année 2022, mettre en place une stratégie pour les infrastructures non scolaires. C'est évidemment une excellente idée. C'est quelque chose même qui aurait dû être fait depuis pas mal de temps. Et des marchés de services ont été attribués, notamment pour réaliser un relevé des bâtiments par des géomètres, des modélisations énergétiques, l'évaluation patrimoniale des grandes implantations bruxelloises. Et vous aviez également annoncé que des paramètres tels que la rationalisation de surface, la neutralité carbone, ainsi que l'implémentation de nouvelles façons de travailler. Alors, Monsieur le Ministre, pouvez-vous faire le point sur l'avancement de ces dossiers? La stratégie annoncée est-elle adoptée ou sur le point de l'être? Quelles sont les grandes orientations retenues par rapport aux objectifs du contrat d'administration, à l'évolution des besoins en postes de travail dans le contexte post-pandémique, aux opportunités éventuelles de rationalisation des surfaces utilisées, mais aussi aux recommandations formulées par la Cour des comptes dans son 33e cahier d'observation, et ce, en termes de gestion du patrimoine. Je vous remercie. Merci, Monsieur Evrard. Monsieur le ministre, je vous en prie. Merci, Président. Merci, Monsieur le député, pour votre question, même si vous allez être déçu de ma réponse. Mais les éléments permettant d'envisager les grandes lignes à venir de la stratégie immobilière pour les infrastructures non scolaires de la Fédération étaient attendus dans le courant du premier trimestre de cette année. Donc, je comprends la pertinence de votre question. Cependant, si la plupart des marchés annoncés précédemment, incluant notamment les marchés de services pour les relevés des bâtiments, l'évaluation patrimoniale des grandes implantations bruxelloises ont bien été attribuées, leur exécution, quant à elle, a pris un peu de retard. L'ensemble des données nécessaires n'est donc pas encore disponible. Et j'ai peur de dire un moment, mais devrait l'être vers la fin du second trimestre. On peut déjà programmer une question, mais bon. Mais ces éléments devront nous permettre de développer, entre autres, des perspectives, et vous l'avez développé dans votre question, en termes de rationalisation de surface, de fonctionnalité, de visibilité, de gestion, de synergie, le tout en tenant compte, bien entendu, des objectifs de neutralité carbone et d'implémentation des nouvelles façons de travailler. Voilà malheureusement ce que je peux simplement vous dire, c'est d'être encore un peu patient, mais qu'on avance. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Evrard. Oui, mais merci pour cette réponse, mais j'espère en tout cas, ou j'imagine que ce cadastre s'inspirera ou sera fait en parallèle avec celui des bâtiments scolaires, qu'on ait une synergie au niveau des bases de données, de manière à ce que la Fédération soit vraiment beaucoup mieux outillée pour le futur. Je vous remercie. Je vous propose de conserver la parole, Monsieur Evrard, pour votre question suivante. Oui, effectivement, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, la DPR a prévu, je cite, que soit examinée au sein du comité de secteur la problématique de la carrière des contractuels afin d'améliorer leur carrière et leur pension. À cet égard, vous avez eu l'occasion de nous annoncer l'année dernière que vos services travaillent notamment sur
trois mesures. J'espère que j'aurai une réponse un peu plus positive que la précédente, parce que ça concerne évidemment un sujet important. Et notamment, dans ces trois mesures, était prévue l'adoption d'un projet d'arrêté permettant de statutariser le personnel contractuel engagé à durée indéterminée, prévoir l'adoption d'un projet d'arrêté instaurant la primauté du recrutement statutaire, et en troisième mesure était proposé le développement d'une stratégie visant à renforcer le recrutement statutaire. Parallèlement à cela, vous aviez indiqué, Monsieur le ministre, qu'une réflexion est également en cours pour ce qui concerne le volet des pensions. Bien évidemment, ce scénario devait faire ou doit faire l'objet d'un accord préalable à la table du gouvernement. Pourriez-vous nous dire, Monsieur le ministre, si la dite réflexion aurait déjà abouti à des premières conclusions, et sans préjuger des éventuelles décisions qui viendraient à être prises à ce sujet, et en considérant les difficultés financières qui sont celles de notre institution, est-ce que vous disposez d'estimations prudentes sur les incidences budgétaires du scénario d'un deuxième pilier de pension pour les agents contractuels ? Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre, pour la réponse. Merci, Monsieur le député. Mon administration m'a fait parvenir un premier rapport sur la question des pensions complémentaires, et c'est un aspect de votre questionnement. Ce rapport analyse abondamment la question en abordant notamment le différentiel qui existe entre les pensions des agents statutaires et contractuels, la manière dont ce différentiel peut être comblé ou pourrait être comblé, les différents véhicules financiers qui peuvent être utilisés pour mettre en place un second pilier de pension et des estimations budgétaires quant au coût que cela peut représenter. Ce rapport fait toutefois encore l'objet d'analyses et de discussions entre mon cabinet et l'administration, et je ne peux à ce stade communiquer les orientations que prendront ce dossier ou les propositions que je vais formuler au gouvernement. En ce qui concerne les premières estimations budgétaires, je peux toutefois vous communiquer que l'administration est partie sur base de l'hypothèse que la communauté française, la Fédération de Bruxelles, opterait pour l'instauration d'un plan de pension correspondant à 3% de la masse salariale du personnel, évidemment contractuel. Une telle cotisation représenterait déjà un impact budgétaire de 4 136 680 euros. À ce montant s'ajoute également une obligation de rendement légale de 1,75% que la communauté serait tenue de combler si le rendement du plan de pension devait être inférieur. Cet impact est donc déjà assez important, a fortiori, comme vous le notez, au regard de la situation financière de la communauté française. L'une des premières conclusions qui ressort du rapport pointe également le fait que, malgré cet investissement, la différence entre pension du secteur privé et du secteur public serait pas totalement ou loin d'être comblée, et que les effets seraient surtout visibles à long terme. Donc ces éléments devront être pris en compte dans les propositions de décision sur ce dossier. Voilà quelques éléments d'information à ce stade. Merci, Monsieur Evrard. Oui, merci, Monsieur le Président. Merci pour votre réponse, Monsieur le Ministre. J'entends effectivement que le rapport est en bonne voie et qu'au moins cette question est toujours à l'analyse. J'espère qu'on aura, j'imagine, je vous concède qu'il faut la primauté évidemment au gouvernement. Et puis après ça, nous aurons, j'imagine, l'occasion d'échanger sur les options et les choix qui seront opérés. Je vous remercie. Merci, Monsieur Evrard. Et je vous en prie alors pour votre question suivante. Concernant les formations face aux violences de genre à l'école d'administration publique Wallonie-Bruxelles. Oui, merci, Monsieur le Président. Effectivement, une dernière question pour faire le point sur le travail du gouvernement en ce qui concerne les formations qui sont prévues à la fois dans le cadre du plan droit des femmes, qui a été adopté en septembre 2020, et du plan intra-francophone de lutte contre les violences faites aux femmes. Vous nous aviez confirmé qu'il serait intégré dans le programme fourni par l'école d'administration publique Wallonie-Bruxelles. Préalablement, ce projet nécessitait notamment d'identifier quelques éléments.
1. Le type de fonction visée par ces formations. 2. Le nombre de personnes qui sont concernées par le dispositif. 3. L'ensemble des contenus qui y sont afférents. Et comme vous aviez eu l'occasion de le souligner, il ne s'agit pas simplement de former le personnel à l'écoute des victimes, mais bien de le former au meilleur accompagnement possible de celles-ci. C'est évidemment légitime. In fine, le travail préparatoire évoqué devait être suivi par un appel d'offres lancé auprès des opérateurs de formation. L'objectif était de pouvoir disposer de ces formations, les formations lors du second trimestre de l'année 2022. Je voulais faire le point avec vous, Monsieur le Ministre, sur l'évolution de ce dossier. Quelles sont les principales orientations et les lignes de force que vous pouvez déjà nous annoncer pour ce chantier? Quels sont les publics et contenus visés? Enfin, disposez-vous d'un calendrier plus affiné, actualisé, puisque j'ai compris à entendre les réponses précédentes que, et c'est bien légitime que la crise Covid a parfois retardé un petit peu les échéances par rapport au lancement de ces formations. Je vous remercie. Merci, M. Evrard. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, Président. Monsieur le député, j'espère que vous serez moins frustré par ma réponse ici, puisque ça va être un peu plus étoffé. Comme je l'annonçais en mai dernier, la direction de l'égalité des chances et la direction des ressources humaines mènent des travaux en vue d'intégrer les formations prévues dans le cadre du plan droit des femmes et du plan intra-francophone de l'EAP. L'EAP doit encore, dans ce cadre, être associé aux travaux des deux directions précitées. Si à ce jour, il n'existe pas encore dans l'offre de formation de l'EAP des formations portant spécifiquement sur les questions de violences sexuelles, sexistes et autres faits vis-à-vis des femmes, il n'en demeure pas moins que ces problématiques sont traitées de manière indirecte par l'offre de formation actuel de l'EAP en travaillant sur la culture du bien-être et la formation des managers. Pour la culture du bien-être au sein de l'administration, l'école propose aujourd'hui notamment la formation, et je cite, « Comment contribuer à créer une culture organisationnelle d'entreprise axée sécurité, santé et bien-être au travail, qui permet de découvrir et pratiquer des techniques pour modifier les comportements à la fois managériaux, mais aussi d'insuffler une culture d'entreprise axée sécurité, santé, bien-être au travail. Un accent y est porté sur les risques psychosociaux. Un volet porte explicitement sur les discriminations et violences faites aux femmes. Deux sessions destinées uniquement aux agents de la Fédération Wallonie-Bruxelles sont déjà planifiées en 2022. Deuxièmement, la formation « Personne de confiance », dont le contenu est balisé par le code bien-être et qui parle de harcèlement sexuel, deux groupes seront donnés en 2022. Troisièmement, la formation « Personne de confiance, supervision », qui est suivie tous les ans. Elle traite des aspects plus pratiques du rôle et constitue un espace dont les personnes de confiance peuvent s'emparer pour traiter ce type de situation. Et là, il y a deux groupes aussi qui sont planifiés en 2022. Et la formation intégration de la dimension de genre dans les politiques et budgets, qui aborde les concepts de sexe et de genre, permet d'identifier les inégalités entre les hommes et les femmes et explique les concepts de gender mainstreaming. Deux sessions ont été organisées en 2021 et la formation sera transférée en 2022 au service compétences et conseils carrière du ministère pour développer le contenu de manière spécifique. En ce qui concerne la formation des managers, l'EAP a introduit une sensibilisation à cette problématique dans la future formation de base des nouveaux managers de l'administration, revue entièrement en 2022. Et donc à cet effet, une réunion s'est tenue en décembre, le 23 décembre 2021, avec la cellule pour l'élimination des violences faites aux femmes pour nourrir le futur programme en matière de bien-être et de qualité de vie dans lequel on outillera le manager à la gestion de la souffrance émotionnelle, à la violence faite aux femmes, à la discrimination et aussi au gender mainstreaming. Au-delà de cette sensibilisation directe des managers,
L'EAP propose aux managers des programmes de formation les outillant en matière de soft skills dans des conditions délicates. Citons à titre d'exemple la formation à l'Attitude Coach lancée en septembre dernier, septembre 2021, et qui a formé en mode pilote 7 managers du ministère. À la suite de ce groupe pilote, 7 autres managers, 7 autres agents du ministère sont également en cours de formation depuis novembre 21 dans un groupe spécifique. Cette nouvelle formation a divers objectifs, et je citerai notamment à instaurer un climat bienveillant au sein des équipes, libérer la parole au sein de son équipe, réagir adéquatement lorsque des situations émotionnelles fortes, comme les violences faites aux femmes, quand elles lui sont révélées, qu'elles soient dans la sphère professionnelle ou privée. Grâce à l'expérience acquise avec ce pilote, le nouveau programme de formation de base lancé outillera les managers en matière de soft skills, soit 7,5 jours consacrés à former le nouveau manager à réagir adéquatement dans des situations délicates. Pour, et je terminerai par là, les managers qui voudront approfondir les compétences relatives à la gestion de la charge émotionnelle, un travail long est actuellement en cours de construction et devrait voir le jour fin 2023. Voilà, monsieur le député. Merci, monsieur le ministre. Monsieur Evrard, pour une réplique. Oui, merci, monsieur le président. Ben, monsieur le ministre, vous avez été crescendo dans vos réponses, puisque si vous c'était voyez, un peu timide à mes premières questions, je dois bien avouer que la troisième question démontre en tout cas qu'il y a un maillage, il y a toute une structure qui est occupée à se mettre en place. C'est évidemment de bon augure. Soyons attentifs aussi, vous l'avez rappelé, il y a évidemment la notion de bien-être au travail qui est générique et qui englobe toute une série de facettes, mais de bien faire le focus, comme vous l'avez rappelé, sur certaines problématiques plus spécifiques qui nous touchent et qui sont d'actualité. Mais merci encore pour votre réponse. Merci, monsieur Evrard. Alors, la question suivante de monsieur Lomba est retirée. Nous en arrivons à la question de monsieur Segers. Monsieur Segers, sur les poursuites du processus de sélection des candidats pour le certificat de management public. Je vous en prie. Merci, monsieur le président. Monsieur le ministre, on peut se réjouir de l'application, finalement, de ce CMP et des premières étapes qui sont aujourd'hui en cours. C'est vraiment une bonne chose, je pense, pour la démocratie, que d'avoir mis en place, en fait, tout ce certificat management public. En tout cas, notre groupe se joint aux efforts qui ont été faits pour pouvoir l'inscrire. Le processus de sélection est donc en cours. Il vise donc à octroyer l'accès à une nouvelle cohorte d'étudiants et d'étudiantes. C'est vraiment positif, on l'a dit. En plus, il y a une volonté, en fait, d'ouvrir à un maximum. Pour les écologistes, il est essentiel de poursuivre cette ouverture et ce redéploiement ouvert à différents types de personnes qui viennent de différents endroits de notre société. Certains participants et participantes à la première sélection ont cependant attiré l'attention à différents députés, que ce soit en Fédération Wallonie-Bruxelles ou en Wallonie, sur le fait que 4 questions du premier QCM, qui a été passé il y a peu, dans le cadre du processus qui était lancé, auraient été annulées. Les participants ont été informés par courriel du CELOR, un des soumissionnaires du CMP, que ces questions avaient été supprimées suite à des objections émises par certains candidats et candidates. Plusieurs cotes auraient de ce fait été revues à la hausse ou à la baisse en fonction de l'annulation de ces questions. Selon certaines informations à recouper, évidemment, des personnes auraient dès lors été potentiellement exclues du pôle des 80 sortants maximum admis à l'épreuve suivante et d'autres auraient été intégrées à ce pôle et invitées à poursuivre donc pour pouvoir entrer dans la seconde épreuve, deuxième en fait précisément. Si cela est avéré, cela pourrait éventuellement conduire à des recours. Voilà, bon, c'est comme ça les procédures. Monsieur le ministre, voilà quelques questions alors par rapport à cette procédure en cours. Avez-vous reçu les mêmes informations? Ont-elles été vérifiées? Pouvez-vous nous indiquer quel était le problème, en fait, sans entrer forcément dans les détails, mais quel était le problème avec les questions qui ont été annulées? Comment avez-vous garanti la poursuite sereine et constructive de cette procédure qui reste utile et nécessaire? Et c'est important de vous rappeler qu'en tout cas, nous sommes vraiment demandeurs à ce que le processus puisse aller jusqu'au bout et puisse être vraiment le plus stabilisé possible. Vous savez l'importance qu'on y accorde.
Comment avez-vous évalué le dysfonctionnement avec les parties prenantes, dont l'école, l'administration publique, le CELOR, l'université impliquée, et quelles mesures avez-vous mises en place afin que cela ne puisse se reproduire dans les prochains appels? Par ailleurs, ce premier appel nous permettrait de comprendre le profil des personnes ayant candidaté. Je vous l'ai dit, on est très, très sensible à l'idée qu'il y ait un maximum de personnes venues de la société dans toutes ses multiples et diverses formes. Pouvez-vous donc m'informer sur les profils et les diplômes présentés par ces quelques 355 candidatures considérées comme recevables? Et à ce regard, pouvez-vous m'informer des diplômes et des profils de ces 80 personnes qui auraient été sélectionnées à la première épreuve? Je vous remercie en tout cas pour les réponses que vous pouvez porter à mes questions. Merci, Monsieur Seghers. Monsieur le ministre, je vous en prie. Merci, Président. Merci, Monsieur le chef de groupe, pour votre question. Le processus de sélection des candidats à la formation CMP, certificat management public, a effectivement rencontré un souci qui a conduit à l'annulation de plusieurs questions de la première épreuve de sélection. Et je peux vous dire que je ne m'en réjouis pas du tout, parce que ça m'a fortement énervé. Suite à la communication des résultats de cette épreuve, chaque candidat a pu consulter sa copie. Suite à différentes interpellations des candidats sur les questions, le jury des épreuves a décidé d'annuler 3 questions. Une autre question avait déjà été annulée par le jury préalablement à la communication des résultats. Le motif ayant été retenu par le jury des épreuves pour annuler ces questions ayant trait à leur formulation, soit celle-ci n'était pas univoque et pouvait porter à interprétation, soit, contrairement à l'énoncé indiquant spécifiquement qu'une seule alternative était correcte pour chaque question, il s'est avéré que plusieurs options étaient potentiellement correctes. L'annulation des 3 questions supplémentaires a toutefois modifié les résultats des candidats et, ce faisant, la composition du groupe des 80 premiers lauréats. Vous l'évoquez, il y a une première procédure avec 80. 2 candidats qui faisaient partie du groupe initial n'en font désormais plus partie. Et 7 candidats qui ne faisaient pas partie du groupe initial en font désormais partie. Ce différentiel s'explique par le fait que plusieurs candidats étaient désormais classés ex aequo. Les 2 candidats qui ne font plus partie du groupe des lauréats sélectionnés ont été avertis par le SPF BOSA. Et les 7 candidats qui sont désormais lauréats de la première épreuve ont présenté la seconde épreuve les 9 et 10 mars dernier. Il est important de noter que la décision de revoir le classement a eu pour but de corriger une erreur administrative et visait à garantir l'égalité de traitement de chacun des participants à la procédure. Une autorité administrative qui constate qu'un acte adopté est irrégulier est en effet tenue de la retirer. Procéder autrement, nous aurions mis dans une position difficilement justifiable en cas de recours notre administration. Cette décision n'aura néanmoins pas d'impact sur l'organisation de la suite du cycle 3. C'est un élément important. Et le planning des prochaines étapes pourra être respecté. Cet incident est toutefois éminemment regrettable. Et j'ai veillé à ce qu'un rapport soit remis par l'EAP dès que j'en ai eu connaissance et afin d'en comprendre les raisons, d'évaluer les pistes de solution, afin d'éviter évidemment que ça puisse survenir à l'avenir, dans les prochains cycles de formation. Sur base des informations qui m'ont été communiquées, les mesures suivantes ont été déjà identifiées et seront mises en place. 1. Les lauréats de la première épreuve seront informés du passage à l'épreuve suivante après un délai de consultation des copies de minimum 15 jours, ce délai permettant de réduire au maximum les risques d'une communication liée à un classement non définitif. Et deuxièmement, un processus de relecture des questions plus poussé sera mis en place afin de limiter autant que possible les difficultés liées à une mauvaise rédaction. Parce qu'en fait, c'est ça. Pour ce qui concerne les profils des participants aux épreuves, le SPF a fourni les statistiques suivantes. Parmi les 369 candidats inscrits aux épreuves, 58% sont des hommes, 42% sont des femmes. 61% ont été identifiés comme étant issus de la fonction publique,
7% comme étant issus du secteur privé. Les 32% restants n'ont pu être rattachés à l'une de ces catégories. Parmi les candidats admis à la seconde épreuve, on a 57,5% d'hommes et 42,5% de femmes. 71% ont été identifiés comme étant issus de la fonction publique, 3% du secteur privé et les 26% n'ont pas pu être attachés. Au niveau des diplômes, la seule information communiquée par le SPF concerne les profils juridiques qui représentent en gros un tiers des lauréats à l'issue de la première épreuve. Voilà quelques éléments, monsieur le député, monsieur le chef de groupe, concernant cette épreuve qui, j'espère, permettra de renforcer, d'alimenter notre poule. Merci, monsieur le ministre. Monsieur Séguier, je vous en prie pour une réplique. Oui, remercie chaleureusement le ministre pour la clarté des propos et pour son énervement, hein, aussi ses regrets par rapport à ce qui s'est passé. C'est vrai qu'on doit tout mettre en œuvre pour s'assurer que le processus puisse bien continuer, notamment pour les prochains appels, et surtout entendre qu'effectivement le processus suit son cours. Les corrections qui ont été amenées, c'est une bonne chose. Peut-être attirer l'attention du ministre sur les derniers chiffres qu'il nous donnait. Hein. Il y a quand même beaucoup de profils juridiques qui sortent de là, et la proportion entre secteur public et secteur privé est relativement interpellante, puisque notre volonté conjointe, c'est aussi d'assurer que tout le monde puisse venir là. Mais ce n'est pas qu'une question d'examen, c'est aussi une question de candidat, puisqu'on voit que déjà à la source, il y a beaucoup de personnes qui viennent du service public, en fait. Et donc, il y a peut-être quelque chose à penser aussi pour s'assurer que prochainement, on ait vraiment un maximum de personnes qui puissent venir dans la société civile et qui puissent garantir aussi l'ensemble du processus. En tout cas, peut-être voir aussi peut-être ce qui va se passer avec les deux personnes qui n'ont pas été reprises dans le second. Ils ont tout à fait capacité de recours, et je crois que ce serait aussi intéressant qu'on échange avec les différentes personnes qui ont travaillé à la construction de l'examen, le CELOR, les universités, pour s'assurer que cette erreur-là ne parvienne pas la prochaine fois. Mais vous avez évoqué des délais plus longs et une méthode qui permettra, je l'espère, d'assurer que cela n'arrive plus à l'avenir. En tout cas, merci pour les réponses portées à ma question. Merci, monsieur Seguers. Alors, nous en arrivons aux matières de tutelle Wallonie-Bruxelles Enseignement et Bâtiments scolaires. Et je vais demander à monsieur Lepine de bien vouloir prendre la présidence. Merci, président. Je peux rester dans mon siège ? Ça ne dérange pas. Donc, d'abord, bonjour à vous toutes et à vous tous. Et nos travaux de commission appellent la thématique sur la tutelle Wallonie-Bruxelles Enseignement et les bâtiments scolaires. Et l'ordre du jour appelle l'interpellation de M. André-Antoine sur l'arrêt de la Cour constitutionnelle relatif au décret des bâtiments scolaires, qui est conjointe avec une question de Mme Bernard sur la décision de la Cour constitutionnelle de suspendre le décret d'investissement dans les bâtiments scolaires. Je me dois de demander si un autre député souhaite se joindre à l'interpellation avant le développement de l'interpellation proprement dite et des questions jointes prévues à l'ordre du jour. Quelqu'un souhaite-t-il se joindre à cette interpellation ? J'ai vu que vous aviez la main en premier, monsieur Evrard. C'était une question, on doit se joindre avant ou après ? Avant. Monsieur Florent ? Madame Cremasco. C'était Tiana, c'est Véronica. Voilà. Je m'en doute. Et vu mon jeune âge, c'est avec plaisir que je vais assumer cette présidence momentanée. Voilà. Je me dois quand même que pour votre information, vous rappelez, je n'en doute pas que vous le connaissez, que vous le maîtrisez parfaitement, le règlement et son article 78. Qui dit que lorsqu'une interpellation ou question orale porte sur une même thématique ou sur un même objet, elle ne forme qu'un seul débat. Je me dois également de vous rappeler les temps de parole. L'auteur de l'interpellation déposée en premier lieu, à savoir vous, M. Antoine, bénéficiait d'un temps de parole de 20 minutes. Je vais essayer d'être rigoureux. Oui, je vous fais confiance. Je vous fais confiance. Ainsi que la primauté de la prise de parole, c'est bien normal et légitime. Les autres auteurs d'interpellation ou questions orales, il s'agit de vous, Madame Bernard, bénéficiaient d'un temps limite de 15 minutes. Le temps de parole des membres intervenants, donc à savoir M. Evrard, Florent, Cremasco et Léonard, eux, quant à eux, ne disposeront que
de 10 minutes. Le ministre dispose d'un temps de parole de 30 minutes pour répondre. Après cette réponse, seuls les auteurs d'interpellations ou de questions, à savoir M. Antoine et Mme Bernard, peuvent réintervenir à nouveau pour une durée n'excédant pas 5 minutes. M. Antoine, je vous cède la parole. Mais Monsieur le Président, d'abord, constater le succès qu'emporte cette interpellation. Jamais nous n'avons été aussi nombreux à intervenir, et j'espère que chacun va contribuer à la solution. Et évoquer aussi déjà la chaleur très importante qui règne dans cette salle, et qui du reste va encore monter d'un cran, je l'imagine. Mais voilà, je ne sais pas à quoi c'est dû, mais c'est probablement l'objet du débat, entre autres. Monsieur le ministre, ce qui devait arriver est arrivé. Nous vous l'avions dit, nous vous l'avions prédit, nous vous l'avons répété, et malheureusement, vous ne m'en voudrez pas de vous dire avec toute l'amitié que je vous porte que vous ne nous avez guère entendus. Mais aujourd'hui, j'imagine que vous avez pris connaissance de l'arrêt du 24 février qui a partiellement suspendu à ce stade, parce que l'affaire est loin d'être réglée en annulation, a partiellement suspendu le décret du 30 septembre 2021 relatif au plan d'investissement dans les bâtiments scolaires établi, nous le savons, dans le cadre du plan de reprise et de résilience européen. La Cour, comme nous l'avions d'ailleurs craint le moment venu, ça s'est vérifié, était saisie d'une demande. Oui, mais je comprends que les services de secours arrivent, la situation est grave, c'est tout à fait normal, avait été saisie d'une demande en suspension et en annulation, porté non seulement par le CEGEC, par l'UFAPEC, par des enseignants, par des écoles, bref, près de 30 requérants représentant du reste une communauté éducative beaucoup plus large encore, très mécontente du dispositif décrétal qui méprise et qui, bien sûr, ne respecte en rien notre Constitution telle que nous l'avons souhaité les uns et les autres. Bon, je pense, Monsieur le ministre, qu'au fond de vous-même, ça n'est vraiment pas une surprise. Probablement avez-vous dit au gouvernement « je vais aller jusqu'au bout pour vous être agréable à vous ou à certaines personnes qui m'entourent », ça restera une question, « et je tenterai ainsi d'être le plus utile à un réseau, mais sans vraiment espérer que vous le soyez pour l'enseignement de notre fédération de la Wallonie-Bruxelles ». Et c'est vrai, ça au moins vous ne pourrez pas nous le nier, que mon groupe, hier, aujourd'hui et demain les engagés, et votre serviteur n'ont jamais manqué une occasion, que ce soit à travers le budget, le décret, les amendements, le dépôt d'une proposition de décret. Nous avons tout essayé pour que notre message vous soit, porté à votre connaissance et à celui du gouvernement, sans malheureusement aboutir au résultat espéré. Dès lors, c'est ça tout l'intérêt d'une Cour constitutionnelle, quand une minorité est brimée par rapport à un principe constitutionnel, heureusement, notre état de droit prévoit des recours devant la plus haute juridiction de notre pays. Et clairement, la Cour, un peu du reste, et j'y reviendrai comme le Conseil d'État, a été particulièrement dure à votre égard et à l'égard de celui du gouvernement, puisque manifestement, le décret porte atteinte au fondement constitutionnel sur lequel repose notre enseignement. Une telle inégalité de traitement entre réseaux, entre les élèves, parce qu'il faut parler d'élèves ici et moins d'institutions, différence de traitement que vous avez assumée en commission sans jamais l'expliquer. Au fond, vous vous réfugiez derrière une règle mathématique, arithmétique. Nous sommes trois à croire à ce décret. Mais reconnaissez, et je vous ai relu encore ces derniers jours, je n'ai pas trouvé de réelle motivation pour justifier une telle différence de traitement. Et du reste, la Cour, très attentive à vos réponses et à vos explications, ou à vos représentants, n'en a pas trouvé non plus. Il est vrai que l'avis du Conseil d'État avait été particulièrement assassin. Assassin tant sur l'égalité de traitement que sur l'inégalité de taux de subsidiation, que sur le rôle très discutable d'une administration qualifiée de juge et partie,
que d'une atteinte grave au droit de la propriété, quand on a un avis aussi féroce du Conseil d'État, et le Conseil d'État ne répond pas aux mêmes considérations politiques que cette Assemblée, eh bien, je pense qu'il eût été sage, monsieur le ministre, de revoir le texte, de l'amender, surtout lorsque l'on connaît l'enjeu extrêmement important. Et là, nous vous rejoignons. Il s'agit ici de créer un confort qui soit adapté en termes de bien-être pédagogique et qui soit en directe face avec l'utilisation rationnelle de l'énergie et surtout avec les économies qu'il faut y réaliser, notamment à la lumière de l'explosion des coûts, et j'y reviendrai tout à l'heure, auxquels nous assistons aujourd'hui. Pour ces raisons, la Cour a suspendu à titre de première lecture, puisque nous savons qu'il y aura un examen sur le fond en annulation, mais d'ores et déjà, les articles 5 et 19 du décret sont suspendus. Le premier concerne la clé de répartition du subventionnement et le deuxième, le taux de financement. Dans son arrêt, la Cour juge que la clé de répartition entre le réseau ou EBE 41,15 du réseau officiel subventionné, qui lui a évolué. Là, au moins, vous avez entendu la voix des bourgmestres et des échevins à 34,12 et le réseau libre subventionné, confessionnel ou non, à 24,73 n'est pas, et je cite, raisonnablement justifié. Elle ajoute même que le caractère disproportionné de la clé de répartition est accentué encore par le fait que la communauté française a réservé ce que nous vous avons toujours dit, 41,15% des subventions à une population qui, elle, ne représente que 15% des élèves en communauté française. Vous avez tenté, un peu comme vous l'aviez fait en commission, sans vraiment nous convaincre, c'est une lapalissade, vous avez tenté de vous défendre en invoquant l'état des bâtiments scolaires organisés par la communauté française, supposés davantage dégradés que ceux des autres raisons, des autres réseaux, une affirmation évidemment gratuite dans le sens où, même si elle correspond à une réalité, jamais elle n'est accompagnée de pièces prouvant qu'il y avait là une discrimination dans l'état des bâtiments et sans non plus faire le rapport de la proportionnalité entre l'état des bâtiments et l'avantage considérable que vous réserviez à un seul réseau d'enseignement. Et du reste, cet argument a été balayé par la Cour. Je le cite parce que la Cour parle beaucoup mieux que moi. Le seul fait que le parc immobilier du réseau d'enseignement de la communauté française serait en comparaison avec le parc immobilier des autres réseaux d'enseignement constitué davantage de pavillons préfabriqués, dit la Cour, à le supposer établi, parce que même cela, ça n'a pas été établi, ne permet pas de justifier l'octroi à ce réseau d'enseignement d'une enveloppe globale proportionnellement plus importante, sans qu'il soit tenu compte des besoins effectifs des pouvoirs organisateurs, indépendamment de leur appartenance à un réseau. Autrement dit, monsieur le ministre, chers collègues, l'inégalité de traitement au profit de WBE, de même que sa disproportion constatée par la Cour, ne saurait être justifiée par l'état de ces bâtiments au mépris des besoins effectifs des autres réseaux. C'est donc dire qu'ici, nous attendons de votre part que vous nous avanciez, si tant est que vous vouliez vous entêter, ce que nous ne souhaitons évidemment pas, mais si vous vouliez encore continuer dans cette voie-là, il faudrait trouver un autre argument que les pavillons, parce que ceux-là ont été balayés. Et quant au taux de financement, qui est l'autre dispositif suspendu par la Cour le considère tout aussi injustifié, cette différence entre les réseaux. Rappelons que si le décret prévoit que les bâtiments scolaires dont la communauté française est propriétaire ou copropriétaire peuvent bénéficier d'une subvention à concurrence de 82,5% et sans plafond, le subventionnement pour les bâtiments du réseau libre est limité à 65% dans le cadre de l'enseignement obligatoire avec un plafond de 2 millions. Et j'ajoute que, au terme de la procédure d'annulation, quand on lit ça, il y a évidemment fort peu de chances que l'expropriation que vous organisez par décret du réseau libre, sans le prévoir pour l'officiel subventionné, qui est lui-même un réseau subventionné,
parce que là aussi, il y a une inégalité, une discrimination, et sans même l'opérer pour entre le supérieur et l'obligatoire. Vous voyez que les circonstances sont aggravantes dans votre propos, dans votre texte. Je crains que l'annulation ne soit encore plus périlleuse que ne l'était la suspension. Vous évoquiez aussi le critère de l'existence d'un support financier externe, ce fameux argent noir des pères blancs, qui est un mythe du siècle précédent, celui qui a précédé ce siècle. On parle là comme au 19e siècle, mais enfin, soit. On peut encore l'entendre, mais tout ça est aussi balayé par la Cour, puisque la Cour dit très bien qu'il s'agit de tenir compte des besoins réels des différents établissements pour déterminer les taux de financement des projets en la matière. Et une différenciation par enveloppe et donc par réseau n'est pas en tant que telle pertinente, conclut la Cour. Évidemment, comme il se doit, la Cour conclut un préjudice grave et difficilement réparable porté à l'égard des requérants. Alors c'est très grave parce que la situation des bâtiments est dans un état désastreux, que vous aviez eu le mérite de susciter l'espoir avec un réel dispositif, espoir que vous avez entretenu par l'annonce d'un plan d'1 milliard, mais qui là aussi s'est très vite révélé comme inactif, puisqu'il n'y avait pas 1 euro de crédit de liquidation. En 2022, il n'y a pas 1 euro de crédit de liquidation. Donc vous pouvez vous engager, vous pouvez créer un encours du reste que la Cour des comptes à juste titre combat ici et ailleurs. Mais cet état des bâtiments scolaires aujourd'hui, compte tenu du dispositif européen qui nous entraîne jusqu'en 2026, peut-être aurons-nous un rabiot dans les délais, ça n'est pas exclu. C'est ce que Mme Turtelbaum nous a indiqué en commission des questions européennes au Parlement de Wallonie. Mais enfin, il n'empêche, par rapport à l'appel à projet que vous avez lancé, par rapport aux menaces, et j'y reviendrai dans une autre question, qui pèsent sur les montants attribués à la Fédération Wallonie-Bruxelles en provenance de l'Union européenne, il y a aujourd'hui urgence. Et quand bien même il n'y aurait pas ce dispositif européen, quand bien même il n'y aurait pas cet agenda serré, quand bien même vous ne vouliez pas nous entendre, aujourd'hui, la situation des bâtiments dans un grand nombre d'écoles, quelle que soit l'appartenance de cette école, mérite, exige qu'il y ait un traitement approprié et égal. Je ne comprends pas qu'au 21e siècle, on défende encore de telles discriminations. Et que votre parti, qui se fait souvent le chantre de l'égalité, de la correction des inégalités, puisse à ce point les entretenir, m'interpelle terriblement par rapport à une justice sociale que, par ailleurs, vous réclamez dans toute une série de domaines, et parfois, du reste, oserais-je dire, à juste titre. Monsieur le ministre, voilà où nous en sommes. Nous aurons bien sûr, s'il n'y a pas de réaction urgente, une décision sur l'annulation, et nous savons tous que suspension vaut souvent annulation et que l'annulation, du reste, va éplucher d'autres considérants. Dès lors, monsieur le ministre, pour en venir directement à mes questions, quelles sont, dans le chef du gouvernement, les conséquences concrètes de cet arrêté en suspension? Est-ce que vous allez suspendre l'examen des demandes, puisque la clé doit évoluer? Et si cette clé doit évoluer, comment allez-vous pratiquer? Est-ce que vous allez déposer un projet de décret correcteur? Est-ce que vous allez accepter qu'il y ait des amendements parlementaires? Et si oui, les nôtres sont prêts. Nous avons au moins cet avantage, pardonnez-moi, d'avoir déposé une proposition de décret à plusieurs, appelé décret réparateur, et nous l'avons appelé ainsi avant que la Cour ne se prononce. Et du reste, Monsieur le Président, et je m'adresse au Président en titre, mais j'imagine que le Président faisant fonction lui transmettra, nous avions souhaité l'avis du Conseil d'État en disant « ne perdons pas de temps, au moins nous saurons si nous sommes dans le bon ou pas », parce que nous voulions être modestes, mais tout aussi efficaces.
J'ai d'ailleurs écrit à Rudy Demotte et j'attends toujours malheureusement sa réponse. Peut-être qu'avec l'arrêt de la Cour, il prendra sa plume pour me dire quelle suite il aura réservée à notre demande. Et je prends ici ma petite expérience de président de l'Assemblée pendant 5 ans. J'avoue, j'ai du mal parfois à comprendre pourquoi on ne répond pas à une demande légitime d'un avis de consultation du Conseil d'État, surtout lorsque la plus haute Cour, la Cour constitutionnelle, suspend un dispositif décrétal en la matière. Dès lors, Monsieur le ministre, comment réparer ? Outre le texte, est-ce que vous comptez augmenter les crédits ? Et nous savons que ce n'est pas vers l'Union européenne qu'il faudra se tourner. J'aurai l'occasion de m'entretenir avec vous et avec mes collègues sur ce terrain dans une autre question, mais y aura-t-il une mobilisation plus rapide, c'est-à-dire l'inscription de crédits de liquidation dans le fameux plan du milliard ? Mais encore faudra-t-il que ce plan lui-même obéisse aux mêmes règles d'égalité. Parce que si vous nous faites un bis avec, pour ce plan du milliard, les mêmes règles iniques, abscontes, dépassées, telles que vous nous les avez soumises aujourd'hui, vous ne ferez perdre que du temps à celles et ceux qui croient un enseignement de qualité, quel que soit le type d'école fréquentée. Voilà, monsieur le ministre, et je voudrais vous le dire avec infiniment de sympathie que je ne cesse de vous témoigner. Et donc, je considère qu'il doit y avoir de mauvaises ondes autour de vous ou des conseillers qui pensent que reproduire le 19e siècle peut vous conduire à conquérir le 21e. Ne les écoutez plus, monsieur le ministre. Ne les écoutez plus. Je pense que cette fois-ci, vous êtes un homme d'expérience, avisé. J'ai l'espoir et la conviction que vous n'allez pas répéter 2 fois la même erreur et que vous n'allez pas essayer de bricoler un texte simplement pour encore répéter les mêmes injustices que par le passé. L'enseignement libre, depuis un arrêt de la Cour d'arbitrage, ancêtre de la Cour constitutionnelle, est un service public fonctionnel. Quand est-ce que le législateur va consacrer définitivement cette notion de service public ? Public, il n'y a que le dernier terme qui est évolutif, fonctionnel ou organisationnel, mais la subsidiarité, elle existe dans toute une série de domaines, notamment en matière de santé. Jamais on n'oserait, en Wallonie ou au fédéral, déposer un texte de financement pour les hôpitaux qui serait aussi discriminant que celui-ci pour l'enseignement. Jamais. Jamais. Et j'espère que celles et ceux qui, parmi nous, défendent le monde associatif, défendent l'intérêt d'une démarche associative, d'une démarche libre, autonome, vont se réveiller et vont avec nous, parce que nous sommes, monsieur le ministre, vous l'aurez compris, à la recherche de solutions. Mais toutes les solutions ne seront bonnes que si elles respectent la Constitution. Pour avoir été en 1988 dans la commission de la révision de la Constitution, c'était pour Michel Lebrun et moi-même, au nom de Gérard Depré, la condition que nous avions émise. Nous étions favorables à une communautarisation de l'enseignement, pour autant que tout ce qui soit important dans l'enseignement soit traité par décret, et déjà se méfiant d'autres courants politiques, nous avions exigé que ces textes soient, le cas échéant, soumis devant une cour d'arbitrage devenue cour constitutionnelle. Et je pense que nous avons eu raison, et qu'aujourd'hui, et j'en termine, messieurs les présidents, chers collègues, pour vous dire, monsieur le ministre, il n'y a pas d'issue dans l'approche qui est la vôtre ou celle de vos collaborateurs. Aujourd'hui, nous sommes en arrivés en 2022 à un moment où Conseil d'État, Cour constitutionnelle et opinion publique n'acceptent plus les vieux schémas d'antan où on favorisait de différentes manières tel réseau par rapport à une autre. Je pense qu'aujourd'hui, il est temps. Et vous pourriez peut-être vous inscrire dans l'histoire, monsieur le ministre, non seulement parce que toute erreur peut être corrigée, nous en avons tous commis, moi le premier, mais en corrigeant le tir de ce gouvernement. Et j'espère que les autres composantes de ce gouvernement, soit s'ils étaient à l'origine de cette imposition par rapport à vous, changent, ou s'il n'était guère favorable
à cette approche vous rappelle dans des termes courtois, et j'essaie de l'être tout autant, parce que fondamentalement, je ne peux pas, chers collègues, croire que vous avez écrit et que vous avez cru au dispositif que vous nous avez présenté. Je ne peux pas le croire. Je ne peux pas le croire parce que vous êtes un homme moderne, d'expérience, et au nom des connaissances qui sont les vôtres et de la réaction de la population, je ne peux pas croire que vous allez vous entêter. Vous le savez, un vieux proverbe latin le dit, l'erreur est humaine, mais c'est persévérer qui est diabolique. Alors je ne vous veux pas diabolique, j'espère que vous serez légitime, légaliste, et que vous respecterez l'égalité telle que la Constitution l'organise pour l'enseignement. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie également d'avoir observé votre temps de parole, puisque vous en êtes à 20 minutes. Ah, parfait, parfait. Mais je me dois quand même vous apporter une petite précision. Vous faisiez allusion tantôt à un courrier pour lequel vous n'avez pas eu de réponse, mais je l'ai ici sous les yeux. C'est un courrier que votre groupe avait adressé à M. le Président de Motte en date du 14 février. Et le 23, il vous a été répondu. Si vous voulez, je peux vous lire la réponse in extenso. Mais voilà, on pourra vous la transmettre. Auriez-vous la gentillesse de rappeler mon adresse à M. le Président ? D'accord. Mais enfin, elle était adressée à votre chef de groupe et peut-être que vous en avez eu copie également, puisque, M. le député, ça devait être vous, mais c'était déjà il y a un mois. Un peu moins dans le carnet d'adresse du président. D'accord. Voilà. Je cède à présent la parole, puisque le tour du jour appelle la question orale de Mme Bernard sur la décision de la Cour constitutionnelle de suspendre le décret d'investissement dans les bâtiments scolaires, et ce, pour une durée de... Vous avez la parole pour 15 minutes, Mme Bernard. Merci, Monsieur le Président. Je serai beaucoup plus brève que ça. Monsieur le ministre, chers collègues, bonjour. Donc, le 24 février, la Cour constitutionnelle a suspendu le décret concernant l'investissement des fonds européens du plan de relance dans la rénovation des bâtiments scolaires que votre gouvernement avait fait voter il y a quelques mois, et plus particulièrement l'article de ce décret qui organise la répartition des fonds. Donc, comme M. Antoine vient de l'exposer, la Cour a ainsi donné raison aux partis qui avaient porté plainte contre ce décret, comme par exemple le CEGEC, le Secrétariat de l'Enseignement catholique, en disant que la répartition des fonds entre les différents réseaux était basée sur un traitement disproportionné et qui n'était pas correctement justifié. La Cour parle de grief sérieux, et donc ce n'est pas un jugement anodin. Et la suspension prononcée par la Cour pose évidemment des questions sérieuses par rapport aux projets qui ont déjà été soumis et sur la suite du financement des rénovations. Alors, Monsieur le ministre, voici mes questions. Comment allez-vous faire pour répondre à la décision de la Cour, adapter le décret, en faire un nouveau? Enfin bref, quelle procédure allez-vous suivre? Qu'avez-vous prévu afin que les projets déjà approuvés puissent bien être financés comme prévu? Et quel sera l'impact de cette décision sur le chantier des bâtiments scolaires et sur la réalisation du cadastre des travaux à réaliser? Je vous remercie déjà pour vos réponses. Et donc, vous voyez, Monsieur le Président, que j'ai été... Merci, Madame Bernard, d'avoir respecté aussi votre temps de parole et d'avoir été aussi bref. Via la parole aux intervenants et dans l'ordre, Monsieur Évrard, je vous en prie. Écoutez, Monsieur le Président, sans vouloir vous décevoir, mais j'ai vu tout à l'heure que le Président qui a souhaité vous céder le poste avait levé sa main quelques secondes avant moi. Et donc, par élégance, je lui cède évidemment la priorité pour l'intervention. Il était dans mon mauvais champ de vision. C'est pour ça peut-être que je ne l'ai pas vu. Merci. Monsieur Lénin, mais je ne manquerai pas aussi d'intervenir, évidemment. Eh bien, merci. Merci, M. Évrard. Voilà, je vais accéder à cette proposition. Alors, chers collègues, tout d'abord, j'ai envie de dire avec un peu d'amusement que ce n'était pas les ambulances qu'on entendait tout à l'heure, mais les pompiers, tant j'ai l'impression qu'on a lâché les pyromanes dans nos cours d'école. Alors, M. Antoine, avec beaucoup de plaisir, parce que je vous apprécie énormément, Je vous trouve fantastique parce que quand vous avez une idée en tête, admettez quand même que quand vous êtes sur la voie, plus encore peut-être depuis samedi, quand vous êtes engagé dans
dans une voie. Oui, mais vous avancez, vous aviez un pull bleu tout à l'heure, mais vous avancez tête baissée, parfois à contresens, même engagé dans un cul-de-sac, j'ai envie de dire, vous y allez. Au risque même peut-être de franchir de temps en temps la ligne blanche. Et donc, j'ai envie de vous dire, monsieur le ministre, chers collègues, je suis toujours surpris. Je suis surpris quand même depuis quelques mois maintenant, depuis que je suis dans cette commission, de voir avec quelle conviction, quel engagement, monsieur Antoine s'approprie ses vérités, et notamment quand vous nous avez parlé de l'histoire de notre enseignement à plusieurs reprises. Je me réservais évidemment toute discussion sur le sujet, puisque, ayant la présidence de la commission, vous comprendrez qu'il ne m'appartenait pas d'intervenir. À quel point, quand vous croyez dans vos propres erreurs ou dans vos interprétations, à quel point vous pouvez, lorsque cela vous arrange, mettre de côté, j'ai envie de dire, cet indispensable discernement qui doit nous animer. Alors, la critique, monsieur le ministre, est importante, mais c'est évidemment un exercice méthodique du discernement. Et sur ce coup, j'ai envie de vous dire, monsieur Antoine, toujours avec toute la sympathie, que depuis le début de ce dossier, j'ai un petit goût de trop peu, car j'ai surtout un goût de déjà-vu. Eh oui, de déjà-vu. Alors, on dit d'ailleurs que quiconque est parvenu à discerner le bien du mal a déjà perdu son innocence. Et quiconque croirait encore en l'innocence de M. Antoine dans ce dossier serait probablement considéré lui-même comme innocent, ce que personne ne souhaite ici, je n'en ai aucun doute. Mais ça serait même, à mes yeux, M. Antoine, et je le dis vraiment, une forme d'affront tant je vous considère particulièrement intelligent et affûté sur le sujet. Et vous connaissez évidemment très bien les enjeux des dossiers, et notamment de ce dossier. Et vous avez choisi depuis bien longtemps de défendre une cause, ce qui est tout à fait louable. Je ne remettrai évidemment jamais ça en question. Alors aujourd'hui, chers collègues, M. Antoine voudrait nous faire croire qu'il avait raison depuis le début, qu'il détenait les vérités, ou la vérité, qu'il détenait les solutions. Or, pour contredire ce que vous venez de nous apporter, M. Antoine, l'arrêt, aujourd'hui, nous démontre que ce n'est pas aussi simple que ce que vous voudriez nous le faire croire, et qu'au contraire, j'ai même envie de dire, monsieur le ministre, le mécanisme que vous prévoyez est bon. Il est bon. Il est bon car si son arrêt... Ah oui, mais si son arrêt... Et là, je vais quand même l'exprimer. C'est que si son arrêt suspend effectivement en partie le décret, il est loin, chers collègues, d'être aussi assassin que ce qu'on voudrait nous le faire croire maintenant. J'ai même envie de dire qu'il est bien plus clément que ce qu'il n'aurait été si votre décret, M. Antoine, celui que vous aviez déposé, ce décret imparable, selon vos propos, avait été discuté et même porté au questionnement de cette même cour. Pour preuve, cet arrêt de la cour confirme le mécanisme dans son ensemble. Il reconnaît la neutralité de l'administration. Il reconnaît qu'il y a des différences objectives. Il valide la question sur la propriété dont vous nous parliez tout à l'heure. Tous ces éléments qui avaient été lourdement attaqués par vous-même. Alors, pour vous répondre, puisque vous parlez du Conseil d'État, sur la demande de consultation du Conseil d'État, au-delà de l'élément apporté par le président, il a été dit, et votre chef de groupe le sait particulièrement, que le CDH, puisqu'on parlait toujours du CDH à l'époque, connaissait parfaitement ce règlement, notre règlement, et que, indirectement, vous aviez tenté, je vous le dis maintenant, de détourner plus ou moins les propos de l'article, puisque vous avez souhaité
puisqu'il ne vous appartenait pas, finalement, de demander directement à la Commission l'avis du Conseil. Oui, mais sauf que si la Commission refusait, on pouvait, sans aucun souci, voter le texte et avancer. Et donc, on a joué la montre, c'était un choix, mais je n'ai aucun souci par rapport à ça. Alors, Monsieur le ministre, comme nous, vous avez évidemment pris acte de cette décision de la Cour. Je ne vous demanderai évidemment pas de la commenter ni de savoir si vous vous y opposez. Nous sommes bien trop attachés à cette séparation des pouvoirs. Mais, chers collègues, le décret que nous avons voté en septembre visait à répartir entre les différents PE les quelque 300 millions reçus de l'Europe. Dans cet arrêt, la Cour suspend plus spécifiquement, comme il a été dit par M. Antoine, les articles 5 et 19. Ce qui porte finalement sur la clé de répartition des subventionnements et sur le taux de financement. Votre clé de répartition, que nous avons soutenue, Monsieur le ministre, visait à répartir de manière la plus équitable et juste les financements européens en prenant en compte l'état de vétusté des installations, la propriété des bâtiments, etc. Dans son arrêt, la Cour invite à ne pas faire de clé. Elle ne confirme d'ailleurs pas que la clé élève qui est proposée dans le décret de notre collègue serait mieux que la clé qui est proposée ici. Elle ne dit pas ça. La Cour nous demande de revoir notre copie. À nouveau, il nous revient, évidemment, pas de nous y opposer ou de commenter cet arrêt. Alors, Monsieur le ministre, pour mon groupe et évidemment pour moi, vous l'aurez compris, l'important à l'heure actuelle et de ne pas perdre ces 300 millions d'euros. Nous connaissons les délais imposés par l'Europe. Nous connaissons, nous savons pour quand tout cela doit être engagé. Et le temps est précieux. Je pense profondément que nous en avons perdu suffisamment dans ce dossier. Dès lors, chers collègues, j'ai envie de vous demander de penser simplement aux milliers d'enfants, aux milliers de parents, aux milliers d'enseignants, aux pouvoirs organisateurs qui travaillent dans des conditions difficiles et qui attendent un signe de nous, car ils ont introduit un dossier, ils y ont travaillé avec sérieux et ils aimeraient enfin pouvoir le réaliser, pouvoir y travailler réellement. Et donc, Monsieur le ministre, évidemment que j'ai des questions, et mes questions seront les suivantes. Quelles sont, bien entendu, les prochaines étapes dans ce dossier au regard des échéances que nous connaissons. Allez-vous repartir d'une page blanche, renvoyer un appel à candidature ou au contraire, peut-être garder les dossiers que vous et votre administration avez déjà reçus? Et enfin, la Cour nous invite à tenir compte des moyens de chacun et donc aussi d'aller voir les finances des différents PE pour définir comment le financer au mieux. Et donc, comptez-vous suivre ce conseil et de quelle manière pourrait-il influencer la répartition de ces 300 millions? Car là aussi, il s'agit d'une question d'égalité, Monsieur Antoine, et la Cour l'a soulevé. Je vous remercie déjà pour vos réponses. Merci, Monsieur le député. Merci d'avoir vous aussi observé votre temps de parole. Je cède la parole à Monsieur Évrard. Oui, merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Effectivement, je crois qu'il n'y a personne qui peut se réjouir de la situation actuelle. Certains l'ont annoncé, l'ont prédit avec force et vigueur et le dynamisme qu'on leur connaît. Toujours est-il qu'effectivement, ce texte, il a dû être élaboré dans un contexte un petit peu particulier, celui du plan de relance, et dans une dynamique qui était effectivement différente des programmes de subvention habituels. Et dans ce sens, Monsieur le ministre, on ne peut pas effectivement, vous aussi, vous reprocher de vous être engagé dans une dynamique bien nécessaire pour définir la manière dont nous allions allouer ces montants importants, qui restent finalement une opportunité. Et je crois qu'il ne faut évidemment pas l'oublier. Et on est face aujourd'hui, encore plus qu'hier, face à l'urgence. On sait déjà que l'Europe nous imposait des timings extrêmement serrés. Je dirais la première phase de tout ce dispositif, elle a rencontré un franc succès. Et quelque part, elle a été menée, ne l'oublions pas, au-delà du texte
législatives que nous avons votées au mois de septembre. C'est plus de 571 dossiers qui ont été rentrés. C'est dire, en tout cas, si les besoins sont importants, et c'est dire combien est notre responsabilité de trouver des solutions. Avec vous, Monsieur le ministre, on vous entendra, parce que je fais mienne, évidemment, les inquiétudes, voire les interrogations de mes collègues, par rapport à la manière dont nous allons pouvoir faire évoluer les choses. Et à y regarder de plus près, et finalement, quand on analyse un petit peu ce qui se passe, c'est finalement cette clé de répartition, dès le départ, elle a suscité, en tout cas, chez certains, ou attisé, en tout cas, chez certains, une crainte importante, relayée, évidemment, à travers différents PO. On peut s'interroger, finalement, Monsieur le ministre, sur l'opportunité de cette clé de répartition, effectivement. L'objectif était de répondre à toute une série d'attentes, à toute une série de réalités qui sont évidemment différentes entre les réseaux. J'ai souvent dit qu'il était nécessaire, en tout cas, de distinguer la brique de l'enseignement, la qualité de l'enseignement à proprement parler, même si, évidemment, les locaux et l'environnement de travail sont importantes. Mais cette clé, elle a été, et la volonté du gouvernement, elle était claire, elle a été quelque part de la faire évoluer, notamment à travers le principe des vases communicants, et puis à travers une discussion et nos échanges nourris que nous avons eus avec M. Antoine, qui a à juste titre rappelé que la dotation, notamment de l'Europe, allait être diminuée à concurrence de 15-20%. Nous verrons évidemment l'évolution. Je lui avais fait la remarque en disant « oui, mais si on diminue de 15%, si les 15%, si la diminution se fait au sein des bâtiments OEBE, on arrive en tout cas à une clé, à un processus plus ou moins égalitaire. » Et donc je comprends bien évidemment que la Cour constitutionnelle doit se prononcer sur un texte. Quelque part, cette clé de répartition, si elle ne figurait pas dans le texte, il aurait été alors plus utile, et ça reste, me semble-t-il, une opportunité de laisser l'arbitrage, finalement, à l'administration, où là aussi, même si d'aucuns énonçaient des craintes importantes sur le caractère neutre de l'administration, eh bien, la Cour constitutionnelle nous dit, effectivement, elle peut arbitrer, et à travers, finalement, la qualité des dossiers qui ont été rentrés, eh bien, je crois que nous devons, en tout cas, faire en sorte que cet argent soit bien dépensé, soit vite dépensé, puisque quelque part, c'est dans le courant du mois d'avril que les lauréats qui pouvaient émerger à ce dispositif seront connus. Et donc, Monsieur le ministre, la question, et mes collègues l'ont dit, la Cour vous invite sans attendre à réviser quelque peu la réglementation. De quelle manière est-ce que vous souhaitez vous y prendre? Je crois qu'il y a des pistes et des solutions qui existent, de manière, en tout cas, à rencontrer au mieux les remarques qui ont été faites par la Cour constitutionnelle. Je vous remercie pour vos réponses en la matière. Merci, monsieur le député. La parole à présent à monsieur Florent. Merci, monsieur le président. Monsieur le ministre, le chantier de la rénovation des bâtiments scolaires, c'est clairement, de cette législature, un des dossiers majeurs. C'est un dossier compliqué. C'est un dossier compliqué au niveau technique, au niveau financier, et on le voit au niveau juridique, dans l'équilibre que la fédération doit trouver vis-à-vis des réseaux et des PO. Mais c'est un dossier que nous devons réussir, malgré ses complexités. Et je voudrais rappeler très brièvement, j'ai une question ensuite qui viendra sur cette question-là, je voudrais rappeler très brièvement combien nos écoles souffrent aujourd'hui de la hausse vertigineuse des prix énergétiques. Elle doit nous rappeler aussi à notre responsabilité de trouver les meilleures solutions possibles. Alors la Cour, effectivement, elle a contesté la clé de répartition et elle a contesté la justification amenée dans le décret pour justifier cette clé de répartition. Dès lors, Monsieur le ministre, comment comptez-vous répondre simplement au grief de l'arrêt du 24 février? Je l'ai dit, les griefs portent sur la clé de répartition qui est non raisonnablement justifié. Est-ce que vous allez travailler à une nouvelle clé de répartition? Est-ce que vous allez travailler sur la justification de la clé? Est-ce que vous allez travailler sur les deux aspects? Est-ce que vous allez modifier le décret? Et dans quel sens?
Quel est le calendrier pour ce faire ? Dans la presse, vous avez affirmé la volonté du gouvernement d'investir, je vous cite, « massivement et rapidement pour rencontrer nos objectifs climatiques ». Je pense que ça doit être ça, l'unique, aujourd'hui, l'unique objectif que nous devons poursuivre. Est-ce que vous avez évalué, est-ce que vos services ont évalué les impacts de cet arrêt de la Cour constitutionnelle, tant au niveau du calendrier de mise en œuvre de la rénovation des bâtiments scolaires ? Est-ce qu'on va avoir des délais allongés ? Quels seront les impacts de ces délais allongés ? Est-ce qu'on peut bénéficier d'un rabot sur les délais ? Est-ce qu'on aura des impacts au niveau des fonds européens disponibles ? Ce qui serait évidemment le pire des signaux. Est-ce que cet arrêt et le temps surtout nécessaire pour y répondre va avoir un impact financier au niveau de l'argent disponible pour la rénovation des bâtiments ? Alors, Monsieur le Ministre, nous devons collectivement et impérativement réussir ce chantier des bâtiments scolaires. Et j'invite aussi, mon groupe et je pense que l'ensemble des parlementaires invitent le gouvernement à prendre comme priorité absolue la solidité juridique, la solidité constitutionnelle d'un nouveau dispositif. On doit aujourd'hui garantir que l'argent disponible est utilisé au mieux et parvienne aux écoles, je ne vous rappelle pas, les besoins gigantesques qui sont ceux sur le terrain. Et je pense que c'est aussi ça que les acteurs de l'enseignement attendent de notre part. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole à madame Cremasco. Merci, monsieur le président. Bonjour, monsieur le ministre, chers collègues. Alors, pour rebondir sur les propos de mon collègue Jean-Philippe Florent, monsieur le ministre, on vous a toujours soutenu sur le chantier, effectivement, des infrastructures scolaires, mais sur le chantier global. Et donc, parce qu'aujourd'hui, rappelons qu'on parle de la partie européenne, de financement européen, d'un chantier global et transversal. Et on vous a toujours soutenu, monsieur le ministre, en disant que c'est particulièrement pertinent de prendre l'ensemble de la problématique en considération, l'ensemble des sources de financement qui sont complexes, diverses et variées, et j'ai même envie de dire d'une complexité à ne plus y retrouver ces jeunes, c'est le cas de le dire. Et donc, on avait une version globale et transversale du chantier où jusque-là, tout allait bien. Même en début de législature, on a fait quelques auditions ici. Et encore une fois, nous vous soutenons globalement dans cette approche transversale. Nous vous soutenons, mon collègue l'a rappelé, parce que les infrastructures scolaires, c'est certainement les bâtiments publics qui sont les plus importants. C'est un acte politique majeur des écoles. Et on a rappelé souvent dans cette commission qu'on était à un niveau de qualité des établissements qui était en dessous de tout. On a longtemps parlé des toilettes, etc. Donc l'idée, c'est quand même d'offrir un cadre épanouissant, digne de ce nom, digne de la société qu'on veut proposer à tous les apprenants et à tous les acteurs des écoles, toutes les personnes qui les fréquentent. Et ça, on a mis beaucoup d'énergie, et parfois moi singulièrement, à répéter ça et à dire bravo. Vous prenez la problématique à bras-le-corps et il est temps. Il est temps, l'État est catastrophique. Et là, après, je dois dire que j'ai été très déçue et à la faveur, pas par vous, monsieur le ministre, à la faveur d'échanges avec madame Gréoli, je suis un peu tombée des nues sur, et dans cette commission, sur le fait que, dès le départ, c'était les pourcentages de financement qui allaient guider la réflexion. Qui allait recevoir quoi, avant même de savoir ce qu'on allait faire. Et ça, je regrette, mais moi, au nom de mon groupe, c'était pas comme ça qu'on voulait prendre le problème. Et on a réclamé, à corps et à cri, et j'y reviendrai après, un cadastre des bâtiments publics, de leur état, les besoins. Et madame Gréoli m'a répété, 1 euro, 1 enfant. Et là, je lui ai dit, je ne suis pas d'accord. Il faut pas viser l'égalité, mais l'équité. Il y a des enfants qui, aujourd'hui, quoi qu'on en dise, sont dans des conditions superbes, qui ont des chouettes écoles, parce que tout n'est pas pourri en communauté française, et il y a déjà des bâtiments qui ont été rénovés, et depuis le début de la législature et même avant. Et ces enfants-là, ils doivent peut-être laisser 1 euro aux enfants qui, eux, sont dans des situations catastrophiques. Et donc, le principe de l'égalité, on ne l'a jamais soutenu, on a toujours, et on est toujours venu ici, en tant qu'écolo, que ce soit monsieur Florent, monsieur Soares-Senjal ou moi-même, dire, nous, on vise l'équité. Il faut faire transiter l'ensemble du parc. Et donc, on ne veut pas prendre la discussion comme celle-là. Et il y a un ensemble d'outils, et monsieur le ministre est revenu plusieurs fois en disant le PRR, le financement européen, c'est une partie du dossier.
Et effectivement, et on a beaucoup assisté, et une de mes questions, monsieur le ministre, c'est où en est le cadastre ? Je me rappelle qu'on a eu l'exposé de la Sonécom, ici en bas, dans une autre salle, sur un rapport intermédiaire. Pour moi, l'élément du cadastre est un élément qui va nous permettre de rejoindre l'équité, parce que c'est l'ensemble du parc qui doit atteindre une qualité suffisante, et pas les uns les autres, et qu'est-ce qu'on fait d'abord ? Et on a vraiment retourné, pour moi, pris le problème, en tout cas pas de la façon dont une écologiste et un écologiste le prennent. Et donc nous, on voulait, et on veut toujours, prendre ce problème globalement. C'est pour ça, monsieur le ministre, que je vous pose notamment la question de ce cadastre, qu'on peut rejoindre, évidemment, certaines considérations de l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui dit par exemple que les crédits devraient être exclusivement attribués en fonction des nécessités. On n'a jamais rien dit d'autre. Mais dans ce panel global de problématiques et de chantiers que vous avez pris à bras-le-corps, le PRR, il y avait urgence. Il fallait intervenir ponctuellement, rapidement. Il y avait des dossiers qui étaient déjà prêts, d'autres qui ne l'étaient pas. On a aussi tiré la sonnette d'alarme par rapport à ça en disant « mais ceux qui ne sont pas prêts, ceux qui sont dans des besoins cruciaux ». Et là, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec Marie-Martine Schinz, par exemple, et la Vallée de la Vesdre et d'autres dossiers. Ceux qui ne sont pas prêts, qu'est-ce qu'on va faire pour eux ? Il ne faut pas qu'ils restent sur le carreau. Et pour nous, un des éléments, un des filets, c'est le cadastre et donc l'ensemble des autres politiques de ce grand chantier qui doivent rentrer et venir équilibrer la chose sans remettre du tout en question des éléments de l'arrêt de la Cour constitutionnelle sur lesquels il faut s'appuyer pour aller dans ce sens-là. Mais il ne faut pas regarder les choses par silo. Il faut regarder les choses. Je finis. Je voudrais laisser parler Mme Crémas. Vous aurez votre droit de réplique, M. Antoine. Par contre, vous n'avez pas demandé la parole et vous n'êtes pas repris sur la liste des intervenants. Je vous remercie. Merci. Madame Crémasco, je vous en prie. Merci beaucoup, monsieur le Président. Et donc, je venais sur l'élément du cadastre. J'ai rappelé, parce que je pense que c'est important, et donc je rejoins évidemment toutes les questions de tous mes collègues sur le PRR et les conséquences, parce qu'il y a urgence. C'est un dossier qui est une partie du dossier et qui est un dossier qui demande une certaine urgence. Et donc, je rejoins toutes les questions des collègues sur qu'est-ce qui va advenir, etc. Mais, monsieur le ministre, moi, mon propos, vous l'aurez compris, c'est d'abord, en tout cas le premier, de vous enjoindre, de dire, n'oubliez pas la problématique transversale. Et vous avez déjà commencé à mettre en œuvre certaines parties de cette réforme. Le cadastre est un élément clé. Le deuxième point, et là on a cessé de vous soutenir aussi, c'est la qualité architecturale. Il s'agit évidemment de faire des économies d'énergie, mon collègue Jean-Philippe Florent l'a rappelé, mais il s'agit d'aller encore beaucoup plus loin. C'est l'économie d'énergie dans toutes ses racines, et j'ai envie de dire, et dans tous ces volets qu'il faut mettre en œuvre. Et donc c'est l'innovation architecturale et la qualité architecturale. Et nous vous avons soutenu dans la mise en œuvre de ce volet qualité, notamment par la personne de Madame Dassonville et d'une équipe dont vous vous entouriez pour avoir ce type de raisonnement. C'est excessivement important. On vise vraiment de la qualité et on a eu l'occasion, à l'occasion du débat sur le maître architecte ou le Baumeister, de discuter de ce qu'était la qualité architecturale. Et de la qualité architecturale, c'est de l'investissement à long terme dans les bâtiments publics. Donc ce deuxième élément-là, pour nous, il est bien engrangé dans le dossier transversal des bâtiments publics. Et enfin, l'investissement en moyens d'engagement à ce stade, mais l'engagement d'un milliard. Et donc, il faut replacer le PRR dans ce contexte-là, appuyer effectivement les considérations de la Cour qui sont très importantes et qui soutiennent, de notre point de vue, le propos qu'on a toujours voulu porter, mais alors de façon transversale. Monsieur Antoine, rien que pour vous titiller un petit peu, mais parce que j'ai cité Madame Gréoli au départ... Mais je me rappelle très bien, et aussi, et ce n'est pas notre façon de raisonner, quand vous avez voulu transférer les budgets au PPT, par exemple, en disant, ben ça c'est le programme d'investissement qui... Mais non, ce n'est pas le programme d'investissement adéquat par rapport à son fonds, par rapport à ce qui est voulu dans l'ensemble du chantier. Ce n'est pas ça le fond. Or, le mécanisme de financement du PPT, vous convenez bien, soit, nous on ne veut pas raisonner comme ça, on veut raisonner en matière de besoins, de transit, de Spark, c'est assez important, on parle des écoles quoi, on n'est pas encore en train de parler d'autres bâtiments publics qui ont certes leur importance, mais là on parle vraiment de la base, et donc pour nous, on est dans un raisonnement, et là ce sera ma dernière,
ma dernière phrase, évidemment, monsieur le ministre, c'est comment est-ce qu'on va rejoindre cette fameuse équité? Comment est-ce que vous allez arriver à mettre en place un dispositif qui fera que finalement, les situations catastrophiques, mauvaises, vont pouvoir évoluer pour que l'ensemble de notre parc soit satisfaisant? Et j'ai envie de dire épanouissant, parce que nous, notre objectif moyen terme, c'est quand même qu'on ne vise pas dans le cadre des bâtiments scolaires simplement un niveau de l'ensemble des bâtiments qui soit acceptable, mais un niveau de l'ensemble des bâtiments qui soit épanouissant et digne de la société qu'on a envie d'offrir, encore une fois, à tous les apprenants et à tous ceux qui côtoient l'école. Je vous remercie. Merci, Madame Kremasco. Je n'ai pas interpellé Monsieur Dequesne. Non. Vous trop tard, vous deviez le faire. J'ai rappelé le règlement, vous étiez peut-être distrait, mais j'ai rappelé le règlement avant de céder la parole aux intervenants et surtout à M. Antoine qui déposait cette interpellation et Mme Bernard qui... Président, j'aimerais que vous me citiez l'article précisément qui m'interdit de me joindre tant que l'ensemble des interpellants n'ont pas développé. Je demande à un autre député s'il souhaite se joindre à l'interpellation avant le développement de l'interpellation. Donc l'interpellation, je crois qu'elle a eu lieu. Mais c'est quel article du règlement que vous citez ? C'est dans ma conduite de réunion, ça je peux vous le confirmer. Mais vous avez bien entendu comme moi que vous deviez vous joindre avant l'interpellation. Celle-ci ayant eu lieu, je dois refuser demande d'intervention. Une affaire d'État, Monsieur le Président, non, je signale que ce n'est pas dans le règlement. Merci. Oui, il n'y a plus grand-chose à dire. Je vous en prie. Et vous avez un temps de parole qui ne peut excéder 30 minutes, je vous le rappelle également. Vous avez la parole, monsieur le ministre. Oh, je vais parler sans micro. Tout d'abord, merci pour vos interventions et votre préoccupation. Et je suis d'accord avec Véronica et les autres intervenants de l'importance de ce dossier. Et vraiment, je suis content qu'on puisse l'aborder ici lors de cette commission et je suis sûr qu'on va l'aborder prochainement en commission et en plénière. Je dirais que ce sujet regroupe de nombreuses positions et convictions différentes, et ce, depuis le début du débat. Et je voudrais donc commencer par préciser certains éléments. En effet, la Cour constitutionnelle, par son arrêt, estime la clé de répartition proposée par le décret trop disproportionnée. Mais elle n'a jamais émis d'avis sur le fait que l'égalité serait mieux rencontrée en appliquant simplement une clé élève. C'est vrai. Hein. Pour rappel,
Le Conseil d'État émet les mêmes interrogations sur ce qui pourrait être utilisé comme clé, et en indiquant de manière constante que la meilleure manière de répartir les moyens serait de se baser sur les besoins réels de chacun, et ce, sans se soucier de son rattachement à un réseau ou à un autre. La Cour constitutionnelle rappelle également cela, et l'arrêt rendu va de manière assez claire dans ce sens. Le décret prévoit, je le rappelle, un mécanisme de vase communicant permettant de tenir compte de ses besoins et priorités, ce qui n'avait jamais été introduit auparavant dans nos mécanismes de financement. Il y avait de la souplesse. La Cour nous invite donc à aller plus loin dans cette logique de valorisation des besoins et de la qualité des projets. Je crois que c'est vraiment fondamental. Et vous l'évoquez d'ailleurs. C'est en tout cas mon sentiment à la lecture de cet arrêt. La Cour reconnaît par ailleurs un grand nombre de différents objectifs qui ont été avancés dans ce décret et sa justification, mais les juges insuffisantes pour justifier la clé utilisée, je serais tenté de dire. Elle ne dit à aucun moment qu'une différence ne peut exister. Concernant les taux de financement, la Cour les juge inappropriés. Permettez-moi d'abord de rappeler que ces taux et les éventuels plafonds fixés l'ont été par les fédérations de PO elles-mêmes. Le gouvernement avait fixé une fourchette à respecter et n'a jamais émis le souhait qu'un quelconque plafond de subventionnement ne soit appliqué. Nous avions donc bien tenu compte de la volonté de chacun et des réalités propres à chaque réseau. Un taux préférentiel pour nos propres bâtiments, ceux, je veux dire, de la communauté française, en direct ou en indirect, se défend par le fait que si nous ne l'appliquions pas via les moyens européens, la fédération propriétaire des bâtiments se doit de toute façon d'assumer le solde. Nous avions donc préféré prendre plus de moyens européens et moins de fonds propres afin de permettre, avec les fonds de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de mettre en place des mécanismes de soutien complémentaires aux PO, tels que la prise en charge totale des intérêts sur emprunt, et on sait qu'ils évoluent, la majoration de l'enveloppe pour la prise en charge de la TVA, et je pourrais encore en citer d'autres. En dehors des positions et combats idéologiques que je respecte par ailleurs, il faut rester cohérent et pragmatique. Et on pourrait en parler longuement. Aussi, j'entends les... Nous avions prévenu. Laissez-moi tout de même préciser que l'arrêt ne touche qu'à deux articles sur un décret qui avait été ici même par certains critiqué dans sa grande largeur et contesté devant la Cour dans son ensemble. Je pense d'ailleurs que cet arrêt nous permettra d'avoir une réflexion plus éclairée sur la suite de notre travail en vue du refinancement des bâtiments scolaires qui en ont grandement besoin. Et ça, je crois qu'on est tous d'accord. Et en ce sens, je ne le prends pas du tout négativement. Concernant l'analyse juridique de cet arrêt, comme vous le savez, conformément à l'article 25 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 relative à la Cour constitutionnelle, la Cour devra rendre son arrêt sur la demande d'annulation dans les 3 mois suivant le prononcé de la suspension, soit pour le 24 mai prochain au plus tard, à défaut de quoi la suspension cessera de produire ses effets. Pardon. Vu l'impact immédiat d'une suspension, il faut s'attendre à ce que la Cour confirme à tout le moins les conclusions exprimées. Vous ne comprendrez pas. Dans son arrêt de suspension, en déant le délai précité, sans préjudice d'une extension de son examen aux autres dispositions et moyens visés dans la requête et d'une annulation plus étendue. La portée de la suspension qui est prononcée, comme je l'ai dit plus tôt, est relativement circonscrite, alors que la requête en suspension introduite portait sur l'ensemble du décret, la Cour limite sa suspension aux articles 5 et 19 du décret attaqué. À ce stade de la procédure, il faut relever que, et j'ai plusieurs éléments
Tout d'abord, la Cour ne remet pas en cause l'appel à projet qui est prévu à l'article 3 du décret attaqué, lancé par la circulaire numéro, je vous passe le numéro. Cet appel demeure d'application dans son principe, dans ses modalités. Les dossiers déposés sur la plateforme au 31 décembre 2021 continueront donc d'être examinés par l'administration. C'est en cours. Quant au fait d'avoir obligé les PE à déposer leur projet pour le 31 décembre 2021, la Cour indique que les contraintes temporelles imposées au niveau européen justifient suffisamment que le délai ait été fixé à 3 mois. Par ailleurs, bien qu'il est en cours, ce délai a permis aux PE de déposer des dossiers et les parties requérantes ne démontrent pas le contraire. Il y a d'ailleurs plus de dossiers, en tout cas pour des montants supérieurs à ce que l'enveloppe permet. Les parties requérantes soutenaient que le décret fait naître un conflit d'intérêts dans le chef du gouvernement en ce qui lui confie la compétence de sélectionner les projets à subventionner pour l'ensemble des réseaux, alors que la Fédération Wallonie-Bruxelles est le pouvoir organisateur d'un de ces 3 réseaux. La Cour rappelle que le gouvernement et son administration sont tenus au principe d'impartialité. Elle conclut sur ce point par le fait que, et je cite, « la compétence du gouvernement de la communauté française pour examiner et sélectionner les projets des PE postulant à l'octroi d'une subvention, y compris des projets qui concernent le réseau de la communauté française, n'a pas pour effet de faire naître un conflit d'intérêts dans le chef de ce gouvernement. » Autre élément, sur base d'une analyse limitée au recours en suspension, la Cour ne remet pas en cause l'article 26 du décret qui organise une cession de propriété pour une durée de 30 ans. Pour la Cour, l'octroi d'une subvention à une personne privée implique un contrôle de la part de l'autorité publique quant à la bonne affectation des sommes allouées. L'article 26 du décret ne paraît pas porter une atteinte disproportionnée au droit au respect des biens. Autre élément, la Cour rappelle que le préjudice financier ne peut en principe être qualifié de préjudice grave difficilement réparable. Néanmoins, elle considère que le préjudice financier subi par les PO en raison de l'application immédiate de la clé, l'article 5, et du taux de financement, l'article 19, doit être considéré comme difficilement réparable et donc comme grave. Le raisonnement de la Cour est basé sur le fait que le décret porte sur, et je cite à nouveau, des montants d'une ampleur considérable octroyés par l'Union européenne dans le cadre d'une opération tout à fait exceptionnelle qui n'est pas appelée à se reproduire dans un avenir proche. Il s'agit donc d'une opportunité unique pour tous les PO qui font usage de bâtiments dont l'état et les performances énergétiques justifient que soient effectués des travaux de rénovation importante, d'obtenir des fonds leur permettant de mener des projets à bien. La Cour ne se prononce pas sur l'opportunité de privilégier une clé sur une autre. Le choix d'une éventuelle clé est donc laissé à la libre appréciation du législateur décrétal. La Cour insiste aussi sur le fait qu'il convient de tenir compte des besoins des PE indépendamment de leur appartenance à un réseau. C'est un élément intéressant. Il convient de ne pas appliquer le critère de l'existence d'un support financier externe de manière indifférenciée à tous les PE du lit. La Cour reconnaît des spécificités entre WBE et celui du LIB. La charge de propriétaire, le fait de devoir proposer une offre d'enseignement sur l'ensemble du territoire. Pour la suite du travail, je veux d'abord me montrer rassurant. Cet arrêt n'empêche aucunement l'administration de continuer son travail d'analyse des dossiers. C'est évidemment ce que j'ai voulu faire passer directement comme message, puisque l'appel à projet et l'ensemble de ses modalités n'ont nullement été remis en cause par la Cour. Le travail continue donc d'avancer et le projet n'a pas subi de coup d'arrêt. Le tout maintenant est de réécrire ces 2 articles, les 2 articles suspendus en suivant les recommandations de la Cour. Comme vous vous en doutez, nous avons immédiatement commencé à y travailler. Et un premier échange sur base d'orientation émise par mon cabinet a pu avoir lieu au dernier gouvernement, c'était vendredi.
Nous continuerons tout au long de cette semaine à travailler afin de pouvoir présenter au gouvernement un travail plus approfondi et qui, je l'espère, pourra nous donner un signal positif nous permettant de soumettre un texte correctif. Vis-à-vis de l'Europe, je rappellerai que les différentes étapes intermédiaires contraignantes sont les mètres carrés à rénover auxquels nous nous sommes engagés en termes de temporalité et de quantité. Le timing pour l'octroi des promesses de financement n'entre donc pas dans les éléments contrôlés par l'Europe. Cet arrêt et les modifications qui l'impliquent ne mettent donc pas le projet en danger. En tout cas, je le souhaite vraiment. Il faut toutefois que nous avancions rapidement, et ce n'est qu'à cette condition, afin de ne pas faire perdre de temps aux pouvoirs organisateurs dans leur mise en œuvre, même si, comme vous le savez, le décret les autorise à avancer sans attendre l'accord de principe de la fédération. C'est d'ailleurs le cas pour de nombreux dossiers qui avancent déjà. Et donc, pas d'inquiétude sur le plan du suivi du projet par la Commission européenne. Et avant de conclure, ou en guise de conclusion, je dirais que il faut vite trouver une solution. Il faut vite trouver une solution et j'ai été étonné par l'avis, par l'arrêt de la Cour. J'ai été étonné. Je ne m'attendais pas, d'abord, qu'il y ait des recours, mais enfin, ça, on pouvait encore un peu le supposer. Mais j'ai été étonné par l'avis, par la décision de la Cour. Mais je respecte totalement, évidemment, cette décision. Ça me préoccupe. Ça me préoccupe. En effet, il y a 300 millions qui peuvent être vite investis dans les bâtiments qui en ont bien besoin. Et ça a été démontré dans le cadre des travaux que l'on a pu déjà réaliser sur le chantier et pour lequel je souhaite venir rapidement auprès de vous avec les conclusions. Les conclusions de ce chantier permettant de continuer à avancer. Et je vous remercie quant à vos propos en disant que c'est un des dossiers majeurs de la législature. Et j'en suis vraiment conscient et je compte vraiment le porter à bien parce que je crois que c'est non seulement le besoin, mais aussi le bien de nos élèves, de nos jeunes, de leurs professeurs, de leurs enseignants dans les années à venir. Et donc il faut vraiment, je pense, s'inscrire dans ce besoin massif d'investissement. Et je pense au-delà de ça, que ça s'inscrit aussi dans le cadre de l'aménagement du territoire en région wallonne, en région bruxelloise, et je crois qu'on doit avoir cette réflexion intégrée. Et donc, je suis vraiment préoccupé à trouver une solution, et je compte, si ce n'est pas ce jeudi-ci, c'est jeudi prochain, revenir avec des propositions très concrètes vis-à-vis de mes collègues pour pouvoir entamer une modification du décret, c'est-à-dire un projet de décret complémentaire pour modifier ce qui a été rejeté, en tout cas suspendu par la Cour, et ainsi pouvoir venir auprès de vous le plus rapidement possible pour ne pas faire perdre du temps, non seulement à notre administration, mais avant tout à nos PO, et risquer, parce que j'entends qu'on pourrait prolonger des délais, pas pour nous, mais par ailleurs, et que les délais, on a un peu de temps. Enfin, je considère qu'on n'a pas de temps, moi. Que les besoins, ils sont là, ils sont importants, et il faut surtout faire en sorte de ne pas perdre cet argent. Et donc, il faut vraiment que l'on puisse trouver une solution, la solution la plus souple et qui répond au mieux aux besoins sur base des critères d'évaluation qui ont été mis en avant. Et donc, croyez bien que
on se rejoint sur cette préoccupation et que j'y travaille, que mon cabinet y travaille, que le gouvernement y travaille pour vite revenir vers les PO, vers les fédérations de PO et vers vous. Merci, Monsieur le ministre, pour tous ces éléments de réponse. Nous en arrivons à l'heure des répliques et dans l'ordre. Et pour 5 minutes, Monsieur Antoine, je vous en prie, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, de m'aider à bien respecter le temps de parole. Je partagerai évidemment la conclusion du ministre. J'imagine que pas un seul membre de cette Assemblée ne contestera l'objectif que nous poursuivons, nous, les engagés comme vous, de poursuivre la solution à l'état déplorable des bâtiments scolaires. J'imagine que personne ne nous fait ce procès-là. Bien. Mais, monsieur le ministre, quand je vous entends, ou quand j'en entends d'autres, mais surtout vous, vous pratiquez l'antiphrase. Vous tirez de l'explicite de la Cour constitutionnelle l'implicite. Je suis désolé, mais la Cour a dit clairement que la clé que vous avez retenue, l'approche en silo, c'est vous, avec tout le gouvernement, n'en déplaise à la tentative désespérée, Madame Cremasco. Je ne dis pas que c'est ce qu'elle pense, mais c'est pas ça que Madame Linard a accepté. Madame Linard, elle a accepté une approche en silo. Ça, la Cour dit, ça ne va pas. Ça n'est pas justifié. Ça n'est pas motivé. Et pire, ça n'est pas proportionnel. Et du reste, les taux de subvention retenus ne le sont pas non plus. Ça, c'est clair. Et à partir de là, monsieur le ministre, par une technique extraordinaire de l'antiphrase... La Cour ne dit pas que la clé élève est meilleure. Oui, mais si la Cour n'a pas dit ça, peut-on dire qu'elle l'accepterait le cas échéant ? C'est extraordinaire, hein ? C'est comme quelqu'un qui dit « c'est du propre » alors que ça ne l'est pas du tout. Ça, c'est l'antiphrase. Est-ce que vous pratiquez ici ? Et nous vous l'avions dit que si vous vouliez une approche par silo, c'est ce que vous avez retenu, alors il fallait agir autrement. Et je le dis pourquoi ? Parce que depuis 2000, monsieur le Président, grâce au Parti Socialiste et au CDH de l'époque, nous n'avons cessé de travailler à davantage d'égalité. Ce fut le cas pour le programme prioritaire des travaux, ce fut le cas pour les accords de la Saint-Boniface, ce fut le cas pour la création de places, ce fut le cas pour l'entretien des sanitaires. Vous pouvez le contester, mais à l'époque, quand le PS voulait travailler par silo, ça a toujours été son approche. Toujours, toujours. Nous, au moins, on avait obtenu l'égalité. Si on ne travaille pas par silo, et nous sommes prêts à le travailler, alors on doit travailler sur les constats avérés objectifs. C'est-à-dire qu'on va commencer par le bâtiment le plus délabré, le plus désastreux, et c'est celui-là qui va emporter le plus de moyens en termes de subventions, et peu importe quel est son pouvoir organisateur. Ça, c'est l'approche par besoin. Mais nous y sommes prêts. Mais c'est pas ce que le gouvernement nous a proposé. Le gouvernement est venu par silo, autant pour les écoles de la communauté, autant pour les communes et les provinces. Et là, il y a une réaction, pardonnez-moi, preuve qu'on était bien dans le silo. Là, on a retravaillé la clé. Ça, c'est que le crime était donc signé. Deuxième élément, je vous rends attentif, et si je m'adresse ici aux municipalistes, ils sont nombreux, j'en suis. La remarque de la Cour sur la contribution potentielle des pouvoirs organisateurs est très interpellante, hein, parce qu'elle va viser qui ? Qui a de l'argent public en plus de Wallonie-Bruxelles enseignement ? Qui ? Les communes et les provinces. Attention à ce raisonnement-là, hein, parce que on dit bien qu'il faudra tenir compte des contributions potentielles. Or, l'enseignement libre n'a pas d'autres subventions publiques, à la différence des communes et provinces. Et j'ajoute que c'est d'autant moins le cas, j'y étais. Le décret mission de 97 de Mme Onkelings, elle a balisé la gratuité. Le décret de Mme Schinz de 2019 a balisé la gratuité, et heureusement, on ne peut donc plus solliciter les parents pour tout et pour rien, et je m'en félicite à l'adresse des deux ministres concernés. Trois, mais les normes d'encadrement. Monsieur le ministre ici, patron de WBE, ben, il doit obéir aux normes de Madame Désir. C'est les mêmes normes d'encadrement, c'est les mêmes conditions de diplomation,
c'est les mêmes organisations de l'enseignement, qu'il soit général, de transition technique ou professionnelle. C'est les mêmes. Au fond, il n'y a plus que l'heure de religion qui fait la différence. Tout le reste, c'est la même chose. Donc, venir introduire des différences objectives du 19e siècle, c'est réécrire la mauvaise histoire. Celle qui a empoisonné l'histoire de notre Belgique en matière d'enseignement jusqu'à aujourd'hui. Et nous, nous sommes prêts soit à travailler par besoin, soit à travailler, puisque c'est l'approche inconditionnelle du PS depuis des décennies, par silos. J'ai presque envie de dire chacun les siens. Et on sait où va, bien sûr, les préférences du Parti socialiste. Alors là, il faut, bien sûr, respecter l'égalité de traitement. Et quant à l'administration, ce n'est pas moi qui les ai remis en cause, c'est le Conseil d'État. Et pourquoi ? Mais là aussi, c'est la faute du gouvernement. Parce que le gouvernement n'a toujours pas transféré les bâtiments scolaires à WBE. Ce qui était prévu dans le décret constitutif de WBE. Lorsque nous avons marqué notre accord sous le gouvernement précédent, on a dit bah, « il faudra que les bâtiments suivent ». C'est toujours pas le cas. C'est toujours pas le cas. On est toujours avec des droits de tirage qui obéissent à une autre époque. Et c'est à ce point vrai, Monsieur le Président, que la Constitution, ça vous me l'accorderez, est la même au nord et au sud du pays. C'est la même Constitution, écrite en français ou en flamand. Et sous la colonne du Congrès, depuis 1830, il est indiqué l'enseignement est libre. Depuis 1830. Et en Flandre, aujourd'hui, et depuis des décennies, la subvention d'une école subventionnée par une école officielle égale à 92,5%. 92,5%. Comment se fait-il qu'au nord, on ait appliqué cette égalité et qu'au sud, on soit toujours à véhiculer des idées du 19e siècle? J'ai du mal à comprendre. Ou de s'ouvrir à une logique de besoin. Je vous demanderai de conclure, monsieur le député. Merci. Mais, monsieur le Président, vous m'invitez, je vous en remercie. Je relève que c'est la troisième fois que le gouvernement se fait bafouer par la Cour constitutionnelle. Il l'a été par rapport aux accords de la Saint-Boniface, il l'a été dans le supérieur artistique, et il l'est ici. Jamais un gouvernement, jamais, n'a été autant corrigé. Corrigé. Et quand on vient faire une lecture, pardonnez-moi, on a monsieur le ministre qui est absolument exceptionnel, on a beau dire qu'il a, sur les éléments essentiels, il a tout faux, il dit, mais non, il faut lire entre les lignes. Et ce qui n'est pas écrit peut toujours l'être. J'ajoute, Monsieur le Président, et ce sera le mot de la fin, si, que le projet de décret de correction du ministre, il ira au Conseil d'État. Tandis que notre proposition de décret n'ira pas. Ça veut donc dire que même dans ce Parlement, on n'est pas capable de respecter l'égalité de traitement entre un projet de décret et une proposition de décret. Eh bien, moi, sur le plan démocratique, ça me heurte totalement qu'on réfute la capacité d'initiative à des députés et que nous soyons juste là pour applaudir le gouvernement avant, pendant et après, et même s'il a tort. C'est pour moi, ça me heurte profondément. Je pense être un de ceux qui fréquentent les parlements depuis plus longtemps ici. Et bafouer l'initiative parlementaire de cette façon est inacceptable. Merci, monsieur le député. Pour la réplique, madame Bernard. Merci, monsieur le président. Et merci, monsieur le ministre, pour vos réponses. Donc, j'entends bien que pour répondre à la Cour constitutionnelle, vous allez proposer une modification des articles qui sont visés par son arrêt. Mais je pense que c'est quand même important de pouvoir rappeler, comme d'autres collègues l'ont fait cet après-midi, l'important est qu'on puisse prendre en main ce dossier sans plus perdre de temps. Et donc, on est maintenant bien obligé de constater que, voilà, toute cette procédure devant la Cour constitutionnelle empêche le dossier d'avancer rapidement. C'est vraiment dommage, parce que effectivement, ce dossier des bâtiments scolaires est un gros dossier qui importe les enfants, leurs parents, les enseignants. Vous avez annoncé que vous vouliez en faire votre projet pour cette législature. Et donc, l'idée de, comme Madame Cremasco l'a évoqué, de fonctionner à partir des besoins, c'est ce que nous disons depuis le début. Sur l'affaire des bâtiments scolaires et de la répartition des fonds, il faut avoir un cadastre qui objective
les écoles qui ont le plus besoin de travaux et d'interventions urgentes. Et donc, ça aurait dû être, depuis le départ, la façon de répartir ces fonds. Ça ne l'a pas été. On a perdu du temps. Et donc, maintenant, je pense qu'il est vraiment important de se ressaisir et de penser dans cette direction-là. Et nous tâcherons de rester vigilants à ce propos. Je vous remercie. Merci, Madame Bernard. Puis-je considérer que l'incident est clos ? Et je recède la présidence à mon cher collègue, M. Léonard. Merci, cher collègue, pour cette excellente présidence. Je vais retenir, sur lesquels je vais retenir deux, trois. La manière de fonctionner. Voilà. Alors, je vous propose de reprendre nos questions. Nous sommes donc à la deuxième question de ces matières, qui est donc une question de Madame Skepmans concernant le chantier du bâtiment E sur le campus de la Plaine. Je vous en prie, Madame la députée. Mais voilà, Monsieur le ministre, ce sont des thématiques que j'ai déjà abordées précédemment. Et pour moi, il est intéressant de voir justement de connaître l'évolution de ces dossiers. Et donc, je reviens vers vous concernant l'état de progression du chantier du bâtiment E sur le campus de la Plaine, qui est situé en région bruxelloise, lequel est réputé abriter à terme des activités de l'ULB, de la VUB, ainsi que de la Haute École Bruxelles-Brabant. Alors, au mois de décembre 2020, vous m'aviez indiqué que l'évolution de ce dossier avait été freinée en raison de la procédure de demande de permis d'urbanisme suite à des avis défavorables remis tant par le maître architecte régional que les services d'urbanisme bruxellois. Toutefois, une deuxième demande de permis avait été introduite en juillet 2020 et dans l'intervalle, l'équipe du projet s'occuperait des différentes études afférentes au dossier. Alors, selon le planning annoncé à l'époque, un marché public devait être lancé en 2021 et les travaux s'achevaient à la fin de l'année 2023. Aussi, Monsieur le ministre, pourriez-vous faire le point sur l'état de maturité de ce dossier ? Quelles sont les avancées engrangées ? Quelles sont les étapes qui restent à franchir ? Et enfin, l'objectif de réalisation du bâtiment pour l'année 2023 est-il toujours confirmé ? Voilà, Monsieur le ministre. Merci, Madame la députée. Monsieur le ministre, je vous en prie. Merci, Président. Le projet avance, Madame la députée, même si l'instruction de la nouvelle demande de permis prend un peu de temps. En effet, le 12 juin 2020, l'avis du maître architecte a été sollicité et le 2 juillet 2020, la demande de permis mixte a été déposée auprès d'Urban Bruxelles et la demande de dérogation a été déposée auprès du SPF intérieur. En juillet 2020, le 19, l'avis positif a été remis par le Baumeister. Le 14 et 18 août 2020, Bruxelles Environnement et Urban Bruxelles ont remis un avis de réception du dossier incomplet, malheureusement. Le 3 et 17 septembre 2020, les réponses et les compléments ont été adressés respectivement aux deux institutions, Bruxelles Environnement et à Urban Bruxelles. En septembre 2020, le 24, Bruxelles Environnement a remis un second avis de réception du dossier toujours incomplet. Le 5 octobre 2020, les réponses et les compléments ont été adressés respectivement à Bruxelles Environnement et Urban Bruxelles. Le 16 octobre et 17 novembre 2020, toujours, Urban Bruxelles et Bruxelles Environnement ont remis respectivement un avis de réception de dossier complet. Ça, c'est déjà un élément important. En novembre 2020, le SPF intérieur a formulé des remarques sur la demande de dérogation. En janvier 2021, le SIAMU a remis un avis défavorable car le SPF intérieur n'avait pas encore remis un avis favorable sur la demande de dérogation. En décembre 2020, du 17 décembre 2020 au 15 janvier 2021, l'enquête publique s'est déroulée.
Les 3 et 24 février 21, la commission de concertation s'est réunie et a délibéré. Le 17 mai 21, Urban Bruxelles a décidé d'imposer des conditions impliquant des modifications au plan déposé à l'appui de la demande de permis dans le cadre de l'article 191 du COBAT. Ces conditions visaient notamment une meilleure intégration des aménagements, d'abord dans le contexte environnemental, le maintien de la couronne arborée existante, une meilleure intégration du bâtiment dans le contexte végétal existant et l'intégration de parkings vélo dans l'immeuble pour préserver la couronne d'arbres. En juin 21, plusieurs propositions de mise au point du concept sécuritaire ont été soumises au SPF intérieur. Toujours en juin 21, ce SPF intérieur a remis un avis favorable sur l'une de ces propositions. En octobre 21, les réponses et les plans modificatifs ont été déposés respectivement auprès d'Urban Bruxelles et du SPF intérieur. En décembre 21, Bruxelles Environnement a remis l'avis de réception du dossier complet alors de la demande de permis modifié. Et en février 22, le SPF intérieur a transmis un projet d'avis favorable sur la demande de dérogation. Quel parcours tout ça, hein ? À ce stade, nous restons en attente de l'avis du CIAMU, des permis d'urbanisme et d'environnement, mais les démarches avancent positivement, je tiens à vous rassurer. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. Hormis Bruxelles Environnement qui a annoncé une fin d'instruction pour le mois de mai prochain, les autres instances ne se sont pas encore manifestées. Pendant ce temps, les équipes en charge du dossier avancent sur l'étude de projet définitif et les documents de marché public de travaux. Elles n'osent plus pronostiquer la date de commencement des travaux, malheureusement. Elles espèrent que le marché pourrait être lancé cette année. Voilà, j'ai essayé d'être le plus complet possible par rapport à vos demandes. Merci, Monsieur le ministre. Madame Skepmans, pour une réplique. Mais je remercie le ministre pour, je dirais, cette réponse très détaillée sur les étapes qui jalonnent la réalisation de ce projet. C'est vraiment, comme vous le dites, un parcours du combattant. Si j'avais su, j'aurais posé une question écrite. Mais voilà, donc, j'entends que vous m'avez fait le détail des différentes étapes depuis de juillet 2020 à février 2022. Et donc, je pense que l'objectif de réalisation du bâtiment pour l'année 2023, eh bien, comme vous l'avez souligné, n'est pas possible. Mais je resterai au courant, enfin, je continuerai à m'informer sur justement l'évolution de ce dossier qui tient à cœur, évidemment, la fédération, mais aussi, je dirais, les habitants du quartier ainsi que les autorités communales. Et je pense que dans ce dossier, ce qui a peut-être manqué, c'est la concertation. Et je pense qu'elle est tout à fait essentielle pour justement éviter les embûches dans ce projet. Merci, Madame Skepman. Je vous propose de conserver la parole pour votre question suivante. Nabil Lacambre. Monsieur le ministre, il s'agit du suivi de questions orales que j'avais déjà développées précédemment, parce qu'il est important donc de se tenir informé de l'évolution de ce dossier-là également. Et donc, en date du 19 mars 2021, une cérémonie avait été organisée sur le site de l'abbaye de Lacambre pour la remise symbolique des clés des bâtiments occupés jusqu'alors par l'Institut géographique national. Alors, comme nous le savons, le rachat pour plus de 10 millions d'euros des bâtiments de la Défense devrait permettre à terme le transfert par étapes et un remembrement des activités de l'école des arts visuels de Lacambre, laquelle est encore abritée pour une bonne partie au sein d'implantations situées sur les avenues Louise et Franklin Roosevelt. Alors, Monsieur le ministre, au vu du temps écoulé, pourriez-vous faire le point sur la progression de ce dossier ? Alors, concrètement,
quel est le résultat des concertations menées avec les autorités communales d'Ixelles et de la ville de Bruxelles? La Commission royale des monuments et sites ainsi que Bruxelles Environnement sur les pistes de réaménagement global du périmètre. Et donc, il est également prévu qu'un bureau d'études soit désigné pour préparer un master plan. Et donc, pouvez-vous m'en dire plus à ce sujet? Quels sont les objectifs et qu'en est-il de ces échéances? Alors, Wallonie, l'UBE semblait étudier la possibilité de rapatrier vers le site de l'abbaye de la Cambre des activités de NEDSAF hébergées sur l'avenue Franklin Roosevelt, moyennant des travaux préalables d'aménagement et de mise en conformité. Et donc, là aussi, je souhaiterais savoir si cette opération a été réalisée, quand elle pourrait se réaliser, et si d'autres transferts seraient également prévus. Enfin, pouvez-vous nous dire si les implantations situées sur les avenues Roosevelt et Franklin, sur les avenues Louise et Franklin Roosevelt, ont fait l'objet d'une estimation en vue d'une vente éventuelle pour financer en partie les opérations prévues dans ce dossier. Voilà, je vous remercie. Merci, Madame Skepmans. Monsieur le ministre. Merci. Donc, je vous confirme que le service général des infrastructures scolaires s'attelle à faire avancer les différents éléments du dossier selon les échéances annoncées précédemment. Une concertation à large spectre indispensable à la bonne direction de ce projet ambitieux s'est effectivement tenue en juin dernier, avec notamment la consultation de la région de Bruxelles-Capitale, des autorités communales d'Ixelles, de Bruxelles, la Commission royale des monuments et sites, de Bruxelles Environnement, de Perspective Bruxelles et d'autres partenaires. Cette première réunion de lancement a été l'occasion d'échanger, de présenter l'état d'avancement des réflexions de WBE quant au projet et a permis de baliser les différentes possibilités de développement du site et de la haute école et d'alimenter déjà en partie le cahier des charges pour la réalisation du master plan. Le service des infras, en accord avec la Cambre, a prévu de réorganiser en plusieurs temps les différentes implantations de l'école. Premièrement, le déménagement sans travaux majeurs de l'administration de l'école implantée jusqu'alors au numéro 14 du site de l'abbaye dans le bâtiment principal de la cour d'honneur a été réalisé. Ce premier déménagement a permis d'ores et déjà d'offrir davantage de place aux ateliers de l'école. Deuxièmement, les travaux de réaménagement, de rafraîchissement, de mise en conformité des bâtiments D et E devant permettre à l'École nationale supérieure des arts visuels de la Cambre de quitter prochainement l'hôtel de Botte sont sur le point d'être terminés. Le déménagement du bâtiment dont la configuration et l'état actuel ne permettent pas une occupation optimale par une école artistique telle que la Cambre et dont l'occupation est moindre que celle de l'implantation 6 avenue Louise devrait avoir lieu pour la fin du mois de mars 22. Parallèlement à ce déménagement, un marché de géomètres plusieurs tranches a été attribué en septembre dernier afin d'effectuer le relevé de l'ensemble du site de la Cambre. Le prestataire est en train de finaliser son travail de mesurage. Ensuite de ce relevé, aura lieu la désignation d'un groupement d'opérateurs économiques pour la réalisation d'un master plan. L'accompagnement dans l'analyse et dans l'évaluation de l'ensemble des besoins implantés sur le site. Un groupe de travail au sein de l'administration a été mis en place en bonne collaboration avec l'École nationale supérieure des arts visuels de la Cambre afin de produire le cahier spécial des charges nécessaires au lancement du marché. Il devrait être lancé dans le courant de cette année. À l'instar de marchés similaires déjà lancés par le service de l'administration, un point important sera donné au niveau des critères d'attribution aux aspects patrimoniaux, écologiques, environnementaux ou encore pédagogiques. Sur base de ce master plan et de cette étude pragmatique, il sera procédé au lancement d'un marché public de services pour la désignation d'un auteur de projet. On devrait être
fin de cette année, début de l'année suivante, ainsi qu'au lancement d'un marché public de travaux pour la réalisation des aménagements nécessaires au déménagement de l'implantation de l'avenue Louise et la réorganisation générale sur le site de l'abbaye. Il est important de souligner que le lancement de ces différents marchés successifs se fera en bonne coordination et en consultant à chaque étape clé les différentes instances susceptibles de nous aider à mener à bien ce projet. Les implantations situées avenue Louise et avenue Franklin Roosevelt ont toutes deux fait l'objet d'une estimation par le bureau d'expertise Flexis pour Debot. Le bien de l'avenue Louise n'a pas encore fait l'objet d'une estimation détaillée. Il est probable qu'il fasse l'objet d'une estimation plus précise par un bureau d'expertise externe, une fois que la date pour quitter les lieux sera mieux définie. Et enfin, je vous dirai que la mise en vente de ces deux biens permettra de financer a posteriori l'achat du site de l'abbaye. La réaffectation de l'ensemble du site de l'abbaye de la Cambre nécessitera par conséquent la mobilisation d'autres moyens financiers que ceux uniquement tirés de la vente des deux sites précités. Voilà ce que je peux vous dire à ce stade. Merci, Monsieur le Ministre. Madame la députée. Voilà, Monsieur le Ministre. Voilà, j'ai bien écouté votre réponse tout à fait détaillée sur les différentes étapes également de ce projet qui est fort important. J'entends qu'il y a un groupe de travail qui s'est mis en place, qu'il y a un master plan et donc... comme pour les autres dossiers, c'est vrai que la concertation est tout à fait essentielle pour justement éviter les difficultés dans ces projets. Et donc, il faut faire preuve de beaucoup de patience pour la réalisation, de la concrétisation de ces projets qui sont tout à fait emblématiques sur des sites essentiels qui appartiennent à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Je vous remercie. Alors, la question de Mme Galland est reportée. Nous en arrivons à la question de M. Desquennes. Je vous en prie. Merci, M. le Président. Bonjour, M. le Ministre. C'est en 1966 que le président de Gaulle, à l'époque, chasse le QG opérationnel de l'OTAN de France, décidant de quitter le commandement militaire. Et donc, l'installation du QG de l'OTAN se réalise en Belgique, à la limite entre deux communes de notre belle région de Wallonie, à savoir Mons et Soigny, plus précisément à Castaux. Et en même temps que le QG, c'est toute une série de services, dont une école qui s'installe. Et dans cette école, il y a une section internationale belge, à l'époque par l'État unitaire, et repris depuis par la communauté française et aujourd'hui notre fédération Wallonie-Bruxelles. Cette section internationale, aujourd'hui, accueille plus de 600 élèves. Et bien sûr, par rapport à 1966, les bâtiments ont vieilli. Et en 2012, il a fallu installer ce qu'on a appelé des pavillons provisoires. Ça fait donc déjà 10 ans que ces pavillons provisoires sont en attente de la construction d'une nouvelle école qui avait été promise, engagée dans le cadre d'un accord de coopération entre l'État fédéral, la communauté française et bien sûr les autorités de l'OTAN. C'était signé en 2016 et les travaux devaient être réalisés pour juin 2020. Alors aujourd'hui, évidemment, on n'y est pas du tout. Les choses n'ont pas encore bougé sur le terrain. Et pire, évidemment, il y a une inflation et donc le prix de la facture a augmenté. On parle aujourd'hui non plus de 20 millions, dont les 4 millions à charge de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais bien de 25 millions et dont 5 à charge de la Fédération. Alors je sais que le gouvernement de la Fédération a dégagé ces 5 millions d'euros, mais ça ne suffit pas, évidemment, pour exécuter le dossier. D'abord, la première question, c'est est-ce que ces montants de 25 millions sont encore à jour quand on voit qu'aujourd'hui, les prix des matériaux de construction flambent ? Deuxième question... Les classes provisoires, aujourd'hui, elles sont prévues sur le site du futur QG du CHEP, qui lui-même va commencer ses travaux fin de cette année-ci. Et donc, quelles solutions concrètes on va trouver pour les pavillons modulaires ? Est-ce qu'il y a déjà des éléments ? C'est l'année scolaire prochaine, et donc c'est important d'avoir des réponses. Et c'est donc une question auquel je souhaiterais que vous puissiez répondre. Par ailleurs, troisième volet de ma question...
il faut l'accord du fédéral. Et vous avez été mandaté, j'ai interrogé le ministre-président sur le sujet, vous avez été mandaté pour finaliser la mise à jour de l'accord de coopération 2016 avec le gouvernement fédéral. Est-ce que le gouvernement fédéral suit aussi dans la mise pour la construction de cette nouvelle école, en tout cas de ces nouveaux bâtiments pour l'école, la section belge internationale du CHEP? Et enfin, monsieur le ministre, vous savez que nous sommes, avec mes collègues, fortement engagés. On aimerait vous entendre de votre part un engagement sur le délai de réalisation des travaux. Quand est-ce que le chantier pourra commencer? Est-ce que vous pouvez, vous aussi, vous engager sur le début des travaux et la fin des travaux pour cette école attendue depuis longtemps par les enseignants et les élèves qui fréquentent cet établissement et qui est partagé par des Belges qui travaillent, des enfants de Belges qui travaillent sur le site et également, et bien sûr, des enfants du personnel de l'OTAN, du personnel international de l'OTAN. Je vous remercie de vos éclaircissements et de vos précisions et engagements. Merci, monsieur Dekken. Monsieur le ministre, vous avez la parole pour la réponse. Merci, président. Merci, monsieur le député, pour cette question, pour un thème qui me tient à cœur. Et le gouvernement a en effet marqué son accord le 17 février dernier sur l'apport d'un complément de budget de 5 millions d'euros destinés à la reconstruction de la section belge de l'école internationale présente sur le CHEP. J'en ai informé le Premier ministre. Les instances du CHEP ont également été informés par les voies officielles adéquates, faisant intervenir le comité interministériel pour la politique du siège. Cette augmentation nécessaire de budget est intervenue après plusieurs mois de discussions engagées avec le fédéral et au cours desquelles une contribution complémentaire de l'État fédéral s'est avérée exclue. J'aurais préféré que ce soit le fédéral, mais exclue. Suite à cette nouvelle avancée, le CHEP s'est rapidement mis en relation avec l'opérateur en charge du chantier au CHEP afin de pouvoir envisager la finalisation du projet dans les meilleurs délais et en tâchant de faire en sorte que la construction du nouveau bâtiment puisse s'intégrer le mieux possible dans le phasage et le planning du chantier à venir du QG. Nous travaillons par ailleurs avec le fédéral sur un accord modificatif de l'accord de coopération d'octobre, du 12 octobre 2016 et dont l'objet principal sera d'acter l'apport financier complémentaire de la fédération au projet de reconstruction. Je pense qu'on peut se réjouir de cette décision et j'ai le sentiment que, au travers de ces différents soucis, la ministre de la Défense est heureuse de la décision prise. Merci, monsieur le ministre. Monsieur Dekken, pour une réplique. Je remercie monsieur le ministre de ses explications. Si j'ai bien compris, le fédéral et la ministre de l'Armée ne mettent plus d'argent dans l'opération et c'est à la fédération à écoper le temps qui a été perdu avant la mise en œuvre de cette école. Ma crainte, c'est que l'ardoise s'allonge pour la fédération Wallonie-Bruxelles. Je me permets de vous rendre attentif à un élément, monsieur le ministre. Non seulement ces casemates, ces baraquements, ces locaux provisoires, et maintenant ils sont arrivés en fin de vie, selon les propos du ministre-président, je le cite, ce sont des pavillons provisoires dont la qualité est pour le moins moyenne. Donc on attend de la part, effectivement, de vos services en lien avec l'armée américaine, qui est maître d'œuvre, si j'ai bien compris, une accélération de ce chantier pour que ces élèves-là puissent bénéficier des conditions correctes le plus rapidement possible. Vous ne vous êtes pas engagé sur une date. Moi, je pense que vous devrez mettre encore des moyens supplémentaires, malheureusement, face à la défaillance de l'État fédéral en la matière. Et je ne peux qu'espérer que ces accords soient signés le plus rapidement possible, parce que, je le rappelle, l'armée américaine ne réalisera les investissements que si elle a la garantie du financement complet. Je me permettrai de revenir dans quelques mois vers vous pour m'assurer que tout cela est bien en ordre et que vous pourrez vous engager, vous aussi, sur un calendrier. Je vous remercie. Alors, les trois questions suivantes sont des questions jointes concernant les prix de l'énergie. La première est une question de Mme Skepman. Je vous en prie, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, alors, dans un contexte international très difficile, les prix
des énergies ne cesse évidemment de battre des records. Et de nombreux secteurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles sont impactés et subissent de plein fouet cette situation qui pourrait générer des coûts budgétaires importants. Alors, Monsieur le ministre, s'agissant tout particulièrement des établissements scolaires, disposeriez-vous d'une évaluation de l'impact de ces récentes hausses du prix des énergies? Et quelle est votre analyse de la situation? Et ce, je dirais, en accord avec votre collègue, la ministre Désir. À cet égard, la cellule énergie du ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles a mis sur pied une centrale d'achat d'énergie en 2019, laquelle a été ouverte aux écoles de WBE, ainsi qu'à celle des réseaux subventionnés sur une base volontaire. Et pourriez-vous nous en communiquer le bilan global actualisé? Alors, les résultats s'avèrent-ils concluants au vu des prix records enregistrés sur les marchés? Et à quel taux, à quel tarif fixe ou variable ont-ils été conclus? Alors, disposeriez-vous éventuellement d'informations sur la situation générale des écoles qui n'ont pas adhéré au mécanisme d'achat groupé? La centrale d'achat évoquée ne semble pas concerner le mazout de chauffage et donc il serait intéressant de savoir si un dispositif analogue existerait pour ce type d'énergie. Qu'en est-il également de l'état de préparation du marché pour une nouvelle centrale d'achat couvrant la période 2023-2027? Enfin, pouvez-vous nous dire si la cellule énergie travaille sur la mise à disposition près des établissements scolaires d'outils permettant de mieux contrôler, gérer et optimaliser les consommations énergétiques? Voilà, Monsieur le ministre. Je vous remercie. Sur le même sujet, Monsieur Florent. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, début octobre, je vous avais questionné sur les impacts financiers de la hausse des prix énergétiques à l'époque. Le gaz venait de passer de 20 euros le mégawattheure à 90 euros le mégawattheure. L'électricité avait connu une hausse de 10% et atteignait 173 mégawattheures. Monsieur le ministre, on est entré dans une dimension complètement différente, puisqu'actuellement, le gaz est 300 euros le mégawattheure, l'électricité 207 euros le mégawattheure, en tout cas au moment d'écrire cette question. Et on connaît les mêmes tendances sur le chauffage au mazout. Alors, ce n'est pas une hausse, c'est vraiment une explosion des prix qui est liée à l'agression meurtrière de la Fédération de Russie contre l'Ukraine. Et surtout, rien n'indique que cette guerre, que ce contexte sera court, très malheureusement. Alors, en Belgique, c'est une situation, on le sait, catastrophique pour les citoyens, les entreprises. C'est aussi une catastrophe pour les finances des écoles qui doivent chauffer les classes. Monsieur le ministre, quelles mesures de court terme avez-vous prises, allez-vous prendre pour faire face à cette crise inédite, alléger la charge qui pèse actuellement sur les écoles? La pandémie qui s'éloigne à présent, permet-elle de mieux fermer les fenêtres? J'ai entendu qu'on avait des hausses parfois de 30% pour le simple fait pendant la pandémie d'avoir dû ouvrir les fenêtres. Est-ce qu'on peut éviter à présent ce gaspillage énergétique? Et mais surtout, quelle conclusion, Monsieur le ministre, le long terme tirez-vous de cette situation? On en a parlé, la rénovation des écoles, c'est actuellement un chantier de premier ordre pour notre fédération. Comment dès lors ne pas intégrer le prix énergétique dans les calculs de la rénovation des bâtiments? Sortir de notre dépendance des énergies fossiles est devenu une nécessité tout autant économique finalement que climatique. Monsieur le ministre, est-ce que nous sommes en mesure d'opérer cette transition radicale qui consiste à éliminer la solution fossile de toute construction ou rénovation de grande ampleur de nos bâtiments scolaires? Les alternatives sont connues pour la plupart, d'autres sont encore étudiées, mais elles sont parfois mises en œuvre. Je pense à des pompes à chaleur, à du bois énergie, des réseaux de chaleur, la géothermie, les panneaux photovoltaïques thermiques, voire même des réseaux de biométhanisation. Est-ce que, en parallèle, évidemment, à une isolation extrêmement performante, ces solutions peuvent être utilisées par la Fédération Wallonie-Bruxelles? Je rappelle aussi qu'une enveloppe isolante performante s'accompagne d'une ventilation double flux. Et il s'agit certes d'investissements très conséquents, je les mesure entièrement, mais ils ont une raison d'être à la fois énergétique et à la fois pour la qualité de l'air à l'intérieur, on l'a souvent rappelé pendant la pandémie. Alors pour rationaliser également ces investissements importants, une réflexion doit être menée sur une certaine tendance à l'étalement des bâtiments que l'on observe parfois sur le terrain et qui rend beaucoup plus compliqué et beaucoup plus
coûteuses également les mesures d'isolation. Je rappelle encore le débat qu'on a eu ce matin sur les différents bâtiments étalés, justement, c'était un des points d'achoppement de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, mais effectivement, au niveau énergétique, ça pose aussi un certain nombre de questions. Alors, le chantier de la rénovation des bâtiments scolaires est-il revu? Est-il élaboré aussi à l'aune de ce défi énergétique énorme qui pèse sur nous? Je vous remercie. Merci, Monsieur Antoine, sur le sujet. Oui, à l'instar de mes collègues, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, reconnaissons en mots très simples et brefs que nous ne cessons de battre des records en termes d'explosion des coûts énergétiques. Pour être plus concret, et moi aussi en situant temporellement ma question, l'électricité coûtait désormais 72,8% de plus qu'il y a un an. Le gaz naturel coûtait 138,3% de plus en glissement annuel et le journal L'Écho titrait même ce mardi dernier que le gaz a même été 20 fois plus élevé qu'il y a un an, tandis que le gasoil de chauffage, lissé sur 12 mois, a progressé de 57,6%. Ce sont des chiffres extraordinaires, historiques, et bien sûr alarmants pour l'économie de nos écoles, quelles qu'elles soient. Et j'ajouterais que rien ne dit, à l'instar de mes collègues, que nous sommes arrivés au pic des prix énergétiques. La guerre en Ukraine pourra peut-être nous amener à prendre d'autres mesures de rétorsion à l'égard de la Russie et dès lors nous fragiliser encore en termes d'approvisionnement énergétique avec toutes les conséquences que cela a sur les tarifs. Cette explosion des coûts énergétiques, elle pèse très lourdement sur les factures des écoles parce que nous sortons d'une période où l'aération était rendue obligatoire, ce qui fait qu'on vivait avec un rythme de chaud et de froid qui entraînait une relance des chaudières particulièrement préjudiciables. Alors pour EBE, premier pouvoir organisateur de l'enseignement dans notre communauté, j'imagine que ce réseau est, ce pouvoir organisateur, pardon, est très directement touché, voire fragilisé. Et je voulais avec vous mesurer quelle était l'importance et l'impact de la facture sur le plan financier, mais aussi vous rendre attentif aux conséquences désastreuses que tout cela peut avoir. Ainsi, Monsieur le Président, je cite ici le journal L'Avenir, qui évoque, et cela a suscité un émoi considérable dans ma région, la fermeture de la piscine de l'Athénée de Jodogne, où par communiqué, et je cite, « L'Athénée parle d'une fermeture temporaire liée au contexte international, aux augmentations des prix de l'énergie, ainsi que, je cite le préfet, qu'à des mesures qui tardent à être prises par notre gouvernement et qui pourraient s'avérer même insuffisantes. Bref, dit-il, la situation n'est plus tenable et il a fermé la piscine vendredi dernier. Et puis le bourgmestre de Jodogne est intervenu en lui rappelant, comme moi, que cette piscine est la seule pour 12 communes du Brabant wallon, la seule. Et le bourgmestre a obtenu l'ouverture d'une semaine complémentaire. Ça veut dire, Monsieur le Ministre, que ce vendredi, 40% des jeunes qu'ils fréquentent l'Athénée comme écoliers ou sportifs le week-end ne pourront tout simplement plus nager, tout simplement plus, faute de ressources financières. Dès lors, Monsieur le Ministre, au-delà de la première estimation budgétaire que je vous sollicitais, c'est peut-être l'occasion pour vous de nous dresser un tableau plus complet, à savoir combien d'écoles bénéficie-t-elle de conventions de livraison à terme fixe dans le cadre d'une centrale d'achat et pour quel pourcentage de consommation en gaz et électricité. Comptez-vous revoir, et moi je vous y invite instamment, je sais que la situation budgétaire est compliquée en Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est pas moi qu'il faut le dire, mais je vous incite vraiment, dans le cadre du premier ajustement, et vous allez l'y préparer dans quelques semaines, de revoir le montant des dotations et des subventions attribuées, que ce soit au réseau EBE ou aux autres écoles subventionnées pour y faire face et pour permettre, j'espère que vous aurez une réponse rassurante, la réouverture de piscines, notamment comme celle de Jodogne. J'imagine que s'il y a une augmentation, elle sera généralisée puisque les coûts énergétiques sont sensiblement égaux d'un réseau à l'autre, d'une école à l'autre. Et dernière suggestion, Monsieur le Ministre, n'est-ce pas l'occasion, peut-être par un tiers investisseur, de lancer un vaste programme d'installation de panneaux photovoltaïques dans les écoles? Vous disposez d'une surface de toiture considérable, considérable. Et de surcroît,
vous pourriez bénéficier de la vertu de l'autoconsommation, puisque les écoliers sont là le jour, moment où les panneaux photovoltaïques produisent. Et lorsque la clarté s'estompe, les écoliers quittent l'école. Il y a là, me semble-t-il, un cercle vertueux. Et peut-être faudrait-il prévoir, à travers des conduits, à travers un tiers investisseur, la faculté pour un grand nombre d'écoles d'installer ces panneaux photovoltaïques qui, aujourd'hui, reconnaissons-le, sont plus jamais rentables, n'ont jamais été aussi rentables, tant sur le plan financier que sur le plan de l'environnement. Voilà des questions sur le diagnostic, sur les solutions et sur des incidents bien malheureux au sein du réseau EBE. Je suis vraiment impatient d'avoir vos réponses. Je vous remercie. Monsieur le ministre, je vous en prie pour la réponse. Merci, Président. Madame la députée, messieurs les députés, je rappelle préalablement que chaque établissement gère sa comptabilité, je veux dire énergétique, et que les consommations énergétiques sont prises en charge par les écoles via leurs frais de fonctionnement. Ces budgets dépendent de ma collègue en charge de l'éducation. Le ministère, via la cellule énergie de la DGI, avait conclu avec Engie une centrale de marché ouverte à tous les PE pour la durée 2019-2022, ce qui a permis d'obtenir des prix inférieurs à la moyenne des prix du marché. Pour le gaz devant être fourni en 2022, la totalité du volume à fournir aux adhérents avait été achetée en 2021 avant la hausse des prix. Le prix final fixe du gaz pour les adhérents à la centrale d'achat était de 15,01 € par mégawattheure, hors frais de distribution, transport et taxes. En comparaison, en 2021, le prix du gaz obtenu par achat en 2020 était de 19,25 € par mégawattheure. Il y a donc même une économie nette sur le gaz de près de 20% par rapport à 2021. Pour l'électricité fournie en 2022, le prix a également été fixé en 2021 pour 100% du volume à fournir pour les adhérents. Le prix fixe obtenu est de 64,76 € par mégawattheure. En comparaison, le prix obtenu pour 2021 était de 44,59. Si on inclut les frais de transport, distribution, taxes TVA, cela représente une augmentation de 18% par rapport au prix de 2021. Cette augmentation semble très importante, mais elle est en grande partie compensée par l'économie sur le gaz, dès lors qu'en moyenne, la consommation d'un établissement scolaire est ventilée entre le gaz et l'électricité, à hauteur de respectivement 2/3, 1/3. Globalement, sur les deux vecteurs énergétiques, la facture énergétique annuelle va augmenter en 2022. De plus ou moins 5% par rapport à 2021. Donc, je crois qu'il faut avoir ces éléments pour relativiser à court terme le problème. Tous les PE des différents réseaux avaient été invités à adhérer à cette centrale. Quasiment seul WBE y a répondu et une partie de ces établissements bénéficient aujourd'hui des avantages de notre centrale d'achat. Cela ne veut pas dire que les non-adhérents ont tous subi l'augmentation des coûts, car certains ont des contrats à tarif fixe établis avant les fortes fluctuations et ou sont intégrés dans des centrales d'achat locales, de sorte qu'ils sont donc également protégés, ou en tout cas plus protégés, de la hausse des prix. À ma connaissance, il n'est pas possible d'indiquer le pourcentage des écoles qui subissent actuellement les surcoûts énergétiques, mais je rappelle par ailleurs que les consommations énergétiques sont prises en charge par les écoles via leurs frais de fonctionnement et que ces budgets dépendent de ma collègue, comme j'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure. Le marché pour une nouvelle centrale d'achat couvrant la période 23-26 sera lancé dans le courant du mois d'avril. Compte tenu de la tension existante sur le marché énergétique et des fortes hausses et fluctuations subies, vous avez rappelé quelques chiffres tout à l'heure, il a été décidé d'élargir à un plus grand nombre d'opérateurs potentiels la possibilité d'adhérer à la centrale d'achat. Outre nos infrastructures non scolaires, les établissements scolaires des différents réseaux pourront
dès lors également rejoindre la centrale d'achat avec les opérateurs agréés ou subventionnés par la fédération, ainsi que les cercles sportifs affiliés aux fédérations ou associations sportives. Ils seront sollicités d'ici le lancement du marché. Concernant l'isolation des bâtiments et la diminution de notre dépendance aux énergies fossiles, ces éléments sont évidemment fondamentaux et profondément ancrés dans notre volonté de transition énergétique et dans le chantier des bâtiments scolaires. On y faisait référence tout à l'heure quant au retour ici vers la Commission dans les prochaines semaines. Toute nouvelle construction ou rénovation lourde respecte nécessairement les exigences énergétiques régionales ambitieuses, elles-mêmes issues de directives européennes, améliorant dès lors grandement la qualité énergétique de nos bâtiments. Le travail du chantier aboutit sur une série de nouvelles recommandations en termes de transition climatique. Elles doivent toutefois être débattues avant de pouvoir être mises en œuvre. Parmi elles figure entre autres l'analyse systématique des alternatives aux sources d'énergie fossiles. D'autre part, au cours des travaux de ce chantier, une réflexion a été ouverte sur ce qu'il est de coutume d'appeler le low-tech. En effet, pour atteindre les objectifs de neutralité énergétique imposés aux écoles, deux pistes spécifiques complémentaires doivent être explorées. Comment réduire les besoins en énergie, ce qui passe par une bonne inertie de développement du bâtiment, et comment sensibiliser les occupants à la réduction des besoins et donc à la réduction des équipements coûteux à l'investissement, coûteux à l'entretien et parfois aussi coûteux à la consommation. Une étude réalisée par l'ULG a effectivement montré que dans plusieurs écoles récemment construites, des équipements techniques sont trop sophistiqués, avaient été mis à l'arrêt par les occupants, soit par mesure d'économie, soit par incapacité à les gérer. Dans le cadre du chantier, il est également inclus la nécessité d'analyser la capacité des occupants à se saisir de la question climatique dans l'usage qu'ils feront ensuite du bâtiment, voire de se saisir de la question comme d'un enjeu pédagogique. En ce qui concerne le mazout de chauffage, une centrale d'achat pour la fourniture de ce combustible est en cours d'élaboration pour les bâtiments non scolaires. Le marché devrait être publié dans les semaines qui viennent. Cette centrale ne prévoit pas l'adhésion des établissements scolaires dès lors que la plupart d'entre eux se fournissent directement par des fournisseurs locaux et bénéficient généralement de prix plus avantageux. Le marché du mazout étant régulé, cette centrale d'achat vise avant tout à organiser l'approvisionnement de manière centralisée. Les principaux critères d'attribution et la ristourne que les soumissionnaires peuvent proposer par rapport au prix maximal. Enfin, je terminerai par là, la cellule énergie travaille sur différents modèles de cahiers des charges visant une optimisation des consommations énergétiques, notamment par la mise à disposition de modèles de cahiers des charges pour l'installation de panneaux solaires photovoltaïques et l'isolation de toitures, partières, financement, pour le remplacement de l'éclairage en leasing et pour l'application de contrats de performance énergétique. Voilà quelques éléments de réponse à votre triple questionnement. Merci, Monsieur le Ministre. Madame Skepmans, pour une réplique. Alors, Monsieur le Ministre, j'entends que vous allez élargir le marché public aux opérateurs culturels de l'enfance, de la jeunesse et sportifs. Et donc, dans le communiqué conjoint que vous avez fait avec la ministre Linard, vous avez, en tout cas, la ministre a affirmé que ce marché va permettre aux opérateurs de faire face à la hausse des prix de l'énergie. Alors, et qu'il y aurait une offre énergie 100% renouvelable. Alors là, je pense quand même que c'est un peu optimiste. Et ce serait évidemment intéressant de savoir concrètement à quels bénéfices ces opérateurs peuvent s'attendre. Dans le contexte actuel. Et donc, si certains ont conclu un contrat à prix fixe par le passé, je ne suis pas convaincue que le bénéfice serait aussi significatif, mais je pense que le fait d'avoir fait des achats groupés, c'est toujours évidemment tout à fait une démarche tout à fait positive. Et donc,
Nous suivrons également ce dossier qui est pleinement d'actualité avec beaucoup d'intérêt. Merci. Merci, Monsieur Florent, même exercice. Merci, Monsieur le ministre, pour vos réponses. Le diagnostic n'est pas simple, étant donné, effectivement, comme vous l'avez dit, que les frais de fonctionnement sont plutôt chez Madame Désir. Je la questionnerai néanmoins. Vous nous avez fait part des mesures d'aide au marché pour permettre les meilleures conditions de marché pour les écoles, notamment les centrales d'achat qui existent déjà, et puis celles que vous allez lancer. Ce sont évidemment des dispositifs conjoncturels qui ont, à mon avis, toute leur pertinence dans le contexte. Mais mon propos était de viser un saut qualitatif plus important, un saut qualitatif vers le 100% renouvelable et vers la fin des fossiles. Je mesure que c'est un saut compliqué à mener. J'entends d'ailleurs ma collègue qui me dit bah, « c'est optimiste de viser 100% d'énergie renouvelable en électricité ». Pour ma part, ça fait 10 ans et ça se passe plutôt bien. Donc il y a des moyens, il y a des possibilités. Et je pense qu'en tant que pouvoir public d'importance, l'ensemble des écoles, la Fédération Wallonie-Bruxelles devrait commencer à penser cette fin des fossiles. Et j'encourage vraiment le gouvernement à y réfléchir dans l'ensemble de ces activités, mais spécifiquement pour les écoles, puisqu'on est dans un chantier de rénovation important, pour essayer vraiment sur le terrain de développer toutes les alternatives possibles. Et je pense que c'est un choix climatique, c'est un choix économique aussi à l'avenir, parce que les prix chers de l'énergie vont sans doute nous accompagner la décade qui vient, c'est inévitable. Je vous remercie. Merci, Monsieur Florent. Monsieur Antoine, pour votre réplique. Mais je remercie Monsieur le ministre, mais enfin, à l'écouter, faisons une distinction entre le gaz et le mazout, très clairement. Les uns ont pu, pour partie, bénéficier d'une centrale d'achat, mais la différence est de 5%, au mieux des cas. Et pour le mazout, vous l'avez rappelé, le prix est régulé, et là, on a une augmentation nettement plus importante. Ce qui veut donc dire, Monsieur le ministre, pardonnez-moi, vous nous renvoyez Madame Désir, mais c'est le ministre du budget qui va avancer la circulaire budgétaire. C'est votre responsabilité de dire quelles seront les évolutions que vous allez retenir. Et si le ministre en charge de WBE ne pouvait pas répondre, j'eus espéré que le ministre en charge du budget, qui prépare cette circulaire, qui l'encadre, allait quand même nous apporter une réponse en urgence sur la croissance des subventions et des dotations par team énergie. Il me semble qu'au minimum, vous avez évoqué 5% pour le gaz, mais je pense que nous devrions nous orienter au minimum vers 10%. Et je me permets d'attirer votre attention encore et toujours sur cette fameuse piscine où à Pâques était prévu un grand nombre de stages. Eh bien, il n'y en aura pas. C'est 12 communes du Brabant Wallon. C'est pratiquement la moitié, hein, 12 sur 27. Et le préfet dit, ben voilà, moi je n'ai pas les moyens, j'attends une réaction du gouvernement. C'est pour cela que j'espérais qu'à travers la circulaire budgétaire, vous puissiez nous apporter de bonnes nouvelles. Ça c'est pour le très court terme. Je pense pour que le moyen terme, et comme vous êtes un ministre imaginatif, ce n'est pas la moindre de vos qualités, je pense qu'on pourrait lancer une ligne tiers investisseur ou des codes 8 dès lors qu'il y a une personnalité juridique distincte, pour favoriser l'installation de panneaux photovoltaïques. Parce que là, vous avez un modèle vertueux d'autofinancement, avec aujourd'hui des temps de retour qui, à mon avis, seront inférieurs à 5 ans. Monsieur le ministre, je vous encourage, tant pour des considérations environnementales que pour simplement des questions financières, vous ayez une réponse concrète à nous présenter lors de l'ajustement budgétaire. Je vous remercie. La question suivante est une question de Monsieur Florent concernant les îlots de chaleur à Bruxelles. Je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Ministre, parmi les conséquences du dérèglement climatique, les experts prévoient également une multiplication des conditions météorologiques extrêmes, et notamment des vagues de chaleur. Ces épisodes caniculaires entraînent une série de conséquences néfastes sur l'environnement et sur la santé, et ils ont tendance à figurer parmi les conditions météorologiques extrêmes les plus meurtrières pour ce qui concerne l'Europe. Les villes sont particulièrement vulnérables face à ce type de canicule. Lorsque certaines conditions sont réunies, la température de l'air la nuit peut être de 10 degrés plus élevée dans les villes par rapport aux températures moyennes régionales avoisinantes. C'est le phénomène d'îlot de chaleur urbain qui s'explique
assez naturellement par la bétonisation, la concentration des activités humaines, l'imperméabilité des sols et le manque de végétation. Face à cette menace, Bruxelles Environnement a commandité au bureau d'études VITO une cartographie des îlots de fraîcheur dans la région de Bruxelles-Capitale. Cet exercice a pour objectif d'identifier les zones de fraîcheur, les zones fraîches, qui sont à préconiser durant les épisodes de canicule, et de repérer les îlots de chaleur, au contraire, où des mesures concrètes sont à prendre en priorité. Il ressort de l'étude qu'en été, le centre de la région bruxelloise est plus élevé de 3 degrés en moyenne que ses alentours ruraux. Et en moyenne, il y a 3 fois plus de périodes de forte chaleur dans le centre de Bruxelles qu'ailleurs. Alors, monsieur le ministre, voici mes questions. Est-ce que vous avez pris connaissance de cette étude et est-ce que vous pouvez croiser ces données avec la localisation des écoles, par exemple, en région Bruxelles-Capitale? Les écoles les plus menacées par les îlots de chaleur peuvent-elles être identifiées? Une telle analyse pour les écoles existe-t-elle également pour la Wallonie? Quelles sont les actions entreprises par le gouvernement, éventuellement, qui seront amplifiées pour assurer des îlots de fraîcheur, notamment dans les cours de récréation? Et puis, quelle suite avez-vous donné à la résolution parlementaire que nous avons prise sur la végétalisation des bâtiments publics adoptée en juillet 2021 et qui demandait notamment de soutenir l'intégration de principes de végétalisation favorisant la rétention d'eau de pluie et de biodiversité dans la mise en œuvre du chantier des bâtiments scolaires, que ce soit sur les bâtiments, dans les cours de récré ou aux abords de ceux-ci? Je vous remercie pour vos réponses. Merci, monsieur le ministre. Merci, président. Merci, monsieur le député. En réponse à votre question, pardon, concernant les îlots de chaleur et dans le cadre du chantier des bâtiments scolaires, un groupe de travail spécifique s'est penché sur la question des cours de récréation et plus particulièrement sur leur végétalisation. Un consensus existe aujourd'hui pour considérer que le temps des vastes espaces minéralisés est totalement révolu. Issu d'une conjonction d'enjeux croisés, tels qu'une culture hygiéniste, une facilité d'entretien, une vision sans obstacle en vue d'une meilleure surveillance, pour ne citer que les principaux, les réflexions et les études s'attachent aujourd'hui à démontrer que des espaces extérieurs diversifiés et davantage végétalisés sont propices au développement des élèves. C'est un élément évidemment important. Un contact avec un environnement plus naturel, la réduction des inégalités de genre dans l'espace, les opportunités pédagogiques sont autant de dynamiques qui préoccupent les concepteurs d'espaces scolaires. Concernant plus particulièrement les îlots de chaleur, mes services ont été activement associés à l'appel à projet de Bruxelles Environnement intitulé Ré-création. Cet appel visait les écoles de la région de Bruxelles-Capitale avec un apport financier de 300 000 euros par projet, un soutien technique et pédagogique en vue du réaménagement des cours de récréation et particulièrement en vue de leur végétalisation, comme je le disais il y a un instant. Vu le nombre de dossiers introduits et afin d'opérer la sélection, la priorité a été donnée aux projets situés dans des quartiers de forte densité où les îlots de fraîcheur était manquant, et cela sur la base de la carte établie par Bruxelles Environnement. Ceci démontre qu'en milieu urbain dense, l'apport d'espaces scolaires végétalisés peut être une plus-value pour l'ensemble de la collectivité. En Wallonie, un projet similaire existe, est intitulé, j'ouvre les guillemets, Ose, le vert. Fermez les guillemets. 4 éditions ont déjà eu lieu. Par contre, à ma connaissance, il n'existe pas de carte au niveau régional répertoriant les îlots qui nécessiteraient des apports de végétalisation afin de réduire les effets de chaleur. Sans doute pouvons-nous considérer que la diversité des territoires wallonis rend difficile une telle carte, qui se justifie néanmoins davantage dans les zones urbaines. Voilà quelques éléments de réponse à votre question, monsieur le député. Merci, monsieur Florent, pour une réplique. Oui, je vous remercie. Hein, je vous remercie pour ces réponses. Je pense qu'effectivement, ça doit être aussi un objectif que la fédération puisse se donner, de permettre de déminéraliser ces cours de récré qu'on a tous connus étant gamins. Pour certains, c'était peut-être moins compliqué parce qu'ils vivaient déjà en ruralité, mais pour les gamins qui sont
En ville, effectivement, je pense que ça n'a plus d'avenir dans le contexte du dérèglement climatique. Et donc, je ne peux qu'encourager et je salue les efforts qui sont déjà entrepris. Pour ce qui concerne la Wallonie, je vous rejoins. Je pense qu'une cartographie complète n'est sans doute moins nécessaire, mais il y a des villes également en Wallonie et des écoles dans ces villes. Je questionnerai la ministre Céline Tellier pour voir si des études en ce qui concerne les villes peuvent être imaginées. Elle permettrait alors à la Fédération de prioriser également les écoles qui nécessitent des îlots de fraîcheur. Je vous remercie. Merci. Merci. Vous poursuivez, Monsieur Florent, avec les box vélo. Voilà, et toujours en fait lié dans la même problématique, nous faisons face, comme on l'a dit, à une flambée des prix de l'énergie des carburants. Et cette semaine, le diesel et l'essence ont tous deux dépassé le seuil critique des 2 euros par litre. Cette inflation rapide, liée, comme on l'a dit, à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, n'est probablement pas temporaire. Il faut donc trouver des solutions structurelles pour épargner, autant faire se peut, le portefeuille des familles. Et c'est dans ce contexte que la mise en place d'alternatives telles que le vélo, mais d'autres également, devrait s'accélérer, offrir la possibilité aux élèves, voire même aux familles, de réaliser à vélo les trajets quotidiens vers l'école, permet de les affranchir de la voiture, de réduire la facture en carburant, tout en ayant un impact positif sur l'environnement. Mais pour favoriser cela, il faut que des structures nécessaires soient mises en place, notamment l'installation de box à vélo, qui est une première étape, à mon sens, incontournable. Alors, très simplement, mes questions, est-ce que le gouvernement soutient l'installation et comment de ces box à vélo dans les écoles? Existe-t-il un droit de tirage pour les écoles qui souhaiteraient s'équiper? Prévoyez-vous d'autres mesures qui favorisent la mobilité douce? Vos services ont-ils un diagnostic précis des potentiels de développement du vélo pour les trajets quotidiens dans les écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles? Je vous remercie. Merci, Monsieur Florent. Monsieur le ministre. Merci. L'installation d'abris à vélo est depuis toujours subventionnable dans le cadre des travaux d'abord. Il n'existe pas de droit de tirage pour s'en équiper. En pratique, la subvention de leur installation définitive est englobée dans les subsides accordés pour des travaux dans les bâtiments scolaires. Dans le cadre de la réforme des subventions, il est prévu d'encourager toutes les mesures possibles en vue de favoriser la mobilité douce dans la sphère des établissements scolaires. Les infrastructures extérieures telles que les parkings et les abris à vélo vont également trouver un écho dans l'arrêté des normes physiques et financières futures afin de prendre en compte les réflexions actuelles en termes de mobilité douce. Mes services ne disposent pas, à ma connaissance, d'un diagnostic précis des potentiels de développement du vélo pour les trajets quotidiens vers les écoles en Fédération Wallonie-Bruxelles. En principe, ces informations relèvent des compétences régionales et communales. Cependant, j'encourage naturellement mes services à échanger avec les régions et les communes de manière générale et en ce compris sur ce type de thématique. À ce propos, dans le cadre du chantier des bâtiments scolaires, on y revient encore, des échanges sont actuellement en cours avec des représentants des régions sur des matières qui croisent la sphère des établissements scolaires, notamment en matière de mobilité, afin de favoriser et d'accroître l'usage des modes doux et de faire converger des opportunités d'aménagement de l'espace public avec des opérations de construction, rénovation d'infrastructures scolaires. Je l'évoquais d'ailleurs un peu tout à l'heure dans une autre réponse. Ajoutons qu'au-delà des questions d'aménagement, il faudra aussi travailler sur le changement des habitudes. Ce n'est pas simple toujours. Tant au niveau des enseignants que des parents. Voilà quelques éléments de réponse, monsieur le député. Merci, monsieur le ministre. Monsieur Florent, pour une réplique. Oui, merci, monsieur le ministre. Effectivement, la mobilité, on est un peu au croisement de pas mal de compétences. C'est pour ça que je l'abordais par le biais, en tout cas, des box vélos au sein des écoles. Mais effectivement, vous avez raison, ça concerne la mobilité des communes, les régions, bien entendu. Changement d'habitude, je suis convaincu qu'à partir du moment où les possibilités sont offertes, tant au niveau des pistes cyclables que des box à vélo, comme je l'indiquais dans les écoles, qu'au niveau des rues scolaires, qui sont une possibilité également, les habitudes, elles se modifient. Il faut pouvoir, je pense que c'est vraiment dans le rôle des pouvoirs publics d'offrir cette possibilité avant que s'installent ces habitudes. Et très généralement, les pistes cyclables, les box vélos, lorsqu'ils sont bien pensés, ils sont très très vite
utilisée. Donc vraiment, la fédération peut aussi jouer son rôle dans cette optique. Je vous remercie. Merci. La question suivante est une question de M. Antoine. Je vous en prie. Oui, M. le Président, nous avons déjà eu un échange, M. le ministre et moi, sur ce dossier, probablement suite et non fin. Rappelons-nous qu'en septembre 2018, le prédécesseur de l'actuel ministre, André Flahault, alors en charge des finances au sein du gouvernement, avait présenté un master plan pour insuffler une nouvelle dynamique sur le campus de l'ancienne école normale, aujourd'hui devenue la Haute École Bruxelles-Brabant à Nivelles. Face à cet important projet, le bourgmestre, Pierre Huard, interrogé au Conseil communal, indiquait qu'on se dirigeait vers un avis positif du collège nivellois, même s'il regrettait le nombre de places de parking. Troisième épisode de la saga, le collège communal finalement rend un avis négatif, notamment suite à l'analyse des échevins écolos, à propos de cette redynamisation. La ville, disait l'échevin écolo, soutient l'extension et la rénovation des bâtiments, mais c'est l'agrandissement du parking qui pose problème. Et il ajoutait, sans oublier dans ce cas, la nécessité d'une étude de mobilité pour intégrer la problématique de la protestation des riverains quant au trafic automobile. Et dès lors, l'un et l'autre au collège concluaient sur la nécessité de plans modifiés. Et c'est là que ça devient, je dirais, curieux, parce que lors de notre dernier échange, Monsieur le ministre, vous m'aviez dit que c'était à la demande même de la ville que vous aviez, avec vos services bien sûr, étendu le nombre de places, qu'il s'agissait d'une exigence locale. Et quand on entend les autorités locales, ils disent « ça n'est pas nous, c'est la Fédération Wallonie-Bruxelles » qui a exigé de telles places. Sincèrement, Monsieur le Président, je n'ai pas modifié aucune des prises de position des uns et des autres. Toujours est-il qu'aujourd'hui, un grand nombre de personnes s'agacent parce qu'il y a des moyens disponibles, personne ne conteste les travaux, mais tous s'étripent sur la paternité du parking, se renvoyant la balle, et avec des riverains extrêmement mécontents qui ont déjà annoncé qu'ils iraient en recours, le cas échéant, contre la suppression des derniers points verts, des poumons verts, pardon, de la ville. Désormais, c'est la fonctionnaire déléguée qui doit trancher avec les avis et résultats de l'enquête publique et de prendre la décision d'accorder ou non le permis. Mais s'est tenue la semaine dernière, Monsieur le ministre, une réunion entre vos services et ceux de la ville de Nivelles. Ça, c'est le point concordant. Vous me l'aviez annoncé et ils l'ont confirmé. C'est déjà un point satisfaisant dans le compte-rendu des uns et des autres, afin de concilier les points de vue. Et manifestement, la ville vous a donc demandé, à vous ou à vos services, de revoir votre projet en termes de place de parking et, je cite, de vous concentrer sur le campus. Alors aujourd'hui, Monsieur le ministre, que dites-vous aux autorités de la ville ? Quelle est votre réponse aux riverains ? Qui, in fine, a demandé ces parkings ? Parce qu'il y a quand même bien quelqu'un qui a dû les demander avec une telle extension. Et quel a été le résultat de la rencontre entre les différents protagonistes ? Et donc, en termes très simples, Monsieur le ministre, allez-vous, oui ou non, déposer des plans modifiés ? C'est l'exigence de la ville. Et de l'échevin écolo de la mobilité, de réaliser une étude de mobilité. Voilà aujourd'hui les termes de ce problème qui renvoie malheureusement ce dossier des uns et aux autres, mais je vous fais confiance pour faire toute la lumière sur cette problématique. Merci, Monsieur le ministre. Merci. Merci, Monsieur le député, pour votre préoccupation. Et croyez bien qu'elle est partagée. Et depuis les derniers échanges à ce propos, les services de WBE en charge des études ont, premièrement, rencontré le 3 mars le bourgmestre de Nivelles, des membres du collège communal, des représentants du service cadre de vie de la commune. Deuxièmement, ils ont pris connaissance le 7 mars de l'avis défavorable du collège communal prononcé en sa séance du 28 février dernier. Troisièmement, ont eu une réunion le 11 mars avec les représentants de la
direction du Brabant Wallon de la DGO4, afin d'échanger sur les modifications qui devraient être apportées à la demande de permis et, le cas échéant, la marche à suivre pour avancer dans cette direction. Comme expliqué il y a peu, les services en charge des études s'étaient concertés avec les instances régionales et communales et avaient modifié le projet jusqu'à ce qu'ils emportent leur adhésion. Suite aux réactions des riverains, les instances communales ont soulevé toute une série d'arguments qui vont dans le sens de la modification du parking. Il est encore trop tôt pour déterminer quelles seront les modifications qui seront apportées à ce parking, réduction du nombre de places, ce qui pourrait présenter des risques de report de stationnement en voirie, je crois qu'il faut l'avoir à l'esprit, ou déplacement d'un certain nombre de celles-ci sur une autre partie du site, ce qui permettrait de préserver le bosquet et de ramener le charrois sur des voiries mieux à même de les canaliser. En effet, il y a souvent des enjeux contradictoires en urbanisme, c'est pas à vous que je dois le dire, qui nécessitent le temps de la réflexion pour la formulation d'une solution ajustée et apaisée. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Antoine, je vous en prie. Donc, si je rebobine le film, c'est manifestement à la demande de la ville que vous avez augmenté le nombre de places de parking pour en obtenir leur adhésion. Je vous cite. Mais ces mêmes autorités, et on l'a vu d'ailleurs dans les expressions et les décisions, suite aux contestations des riverains, ont changé d'avis, si je vous suis toujours, qui fait que vous êtes amené maintenant avec vos services à modifier les plans, sans pour autant prendre option maintien ou non du nombre de parkings ou déménagement d'une partie de ceux-ci sur un site voisin. Mais dans les deux cas, Monsieur le Ministre, moi je vous exhorte, si vous voulez avancer dans ce dossier, de réaliser une étude de mobilité. Parce que vous portiez le problème dans un endroit ou dans un autre, vous aurez toujours immanquablement en cœur urbain un certain nombre de réactions. Et je pense qu'ici, on a perdu du temps pour les changements d'attitude que vous venez de dénoncer. Et si l'on veut assurer un calendrier qui soit respecté à l'avenir, je pense qu'il y a un certain nombre d'études et de précautions nécessaires. Et je vous cite, pour retrouver un climat apaisé. C'est dire si les tensions sont encore grandes aujourd'hui. Alors, merci. La question suivante est une question de M. Suarez Angel concernant la gestion des ressources humaines à l'Athénée Royal des Verts. Je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, depuis plusieurs mois, voire depuis le début de la législature, j'ai eu des contacts à plusieurs reprises donc, avec des membres du personnel de l'Athénée Royal des Verts qui m'ont fait part de problèmes liés à la gestion des ressources humaines de la part de la direction de l'école. À plusieurs reprises, j'ai eu à prendre connaissance de faits qui constitueraient une violation des droits des travailleurs. On évoque pêle-mêle des intimidations, des dénigrements, des attitudes et propos hostiles et irrespectueux, des pressions, etc. À l'époque, ces plaintes et dénonciations que je suivais progressivement n'étaient formulées que verbalement, donc j'attendais des éléments qui me permettraient de voir si ces plaintes pouvaient être étayées. Des démarches de dialogue, selon mes informations, auraient été entreprises auprès de la direction sans succès. Aujourd'hui, selon les éléments que j'ai à ma possession, des plaintes auraient été déposées chez Coesio, service externe de prévention et de protection au travail. Il ne s'agirait pas d'une seule plainte, mais de plusieurs. L'administrateur délégué de WBE aurait été directement saisi de certains cas. Monsieur le ministre, confirmez-vous la situation de tension qui existe dans cette école entre la direction et certains membres du personnel? Confirmez-vous également le dépôt de plaintes de ses membres, combien de plaintes ont été déposées, où en sont les procédures, WBE est-il au courant de la situation? Si oui, quelles sont les démarches qui ont été mises en place pour trouver des solutions à ces problèmes? Je vous remercie pour vos réponses. Merci, Monsieur le Ministre, je vous en prie. Merci, Monsieur le Député, pour votre question. Avant de vous donner quelques informations, je me permets de rappeler une fois encore que le Parlement a délégué la compétence de P
PO de l'enseignement organisé par la communauté française, un WBE qui a son autonomie, parce que c'est important de le rappeler. En tant que ministre de tutelle, il ne me revient pas d'intervenir directement dans la gestion de la situation que vous évoquez. Il ne me revient donc pas de confirmer des situations qui relèvent clairement de la seule compétence désormais de WBE. Et ce d'autant plus que, pour les situations que vous mentionnez, la confidentialité inhérente à ce type de procédure ne permet pas d'évoquer, outre mesure, les différents éléments des dites procédures de manière publique. Je peux toutefois vous informer que le service externe de la prévention et protection au travail a effectivement été saisi par quelques membres du personnel de l'Athénée de la prise en charge de celle-ci par les services de WBE. WBE est donc bien au courant de la situation et la suit. C'est ce qu'on a pu me confirmer. Sur ce dossier aussi, je me dois de constater qu'au vu de la situation qui prévalait avant l'autonomisation de WBE, et plus particulièrement de ces 10 dernières années, je ne peux que me réjouir des efforts que WBE met en place pour améliorer la prise en charge de ce genre de situation. Merci. Monsieur le député, pour une réplique. Merci, monsieur le ministre, pour vos éléments de réponse. Je comprends les arguments liés à la confidentialité, mais je rappelle que, effectivement, ces problèmes ont parfois des impacts sur le fonctionnement de l'école. Et donc, en tant qu'organisme de tutelle, le gouvernement doit avoir également un œil. Et ça rejoindra ma question suivante, puisqu'on parle d'argent public. Et donc, le fonctionnement des écoles est essentiel et les dysfonctionnements, nous devons avoir un œil là-dessus. Et je suppose que vous suivrez la situation par rapport à ce que WBE fera en ce qui concerne la situation de tension qui existe dans cette école. Je vous remercie. Je vous remercie. La question suivante est une question de Monsieur Antoine sur le plan de relance. Je vous en prie. Mais Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, voici 2 semaines, vous en rappellerez, Monsieur le Ministre, j'interrogeais votre excellent collègue, le ministre-président Pierre-Yves Gelet, sur l'évolution du PIB belge qui devait être constaté en février de cette année, et je l'ai interrogé le 28, et les conséquences de cette évolution sur le financement du plan de relance et de résilience européen, et singulièrement pour la partie de la Fédération Wallonie-Bruxelles. J'avoue que j'ai trouvé un ministre-président honnête, sincère, mais peu rassurant, puisque le patron de l'exécutif déclarait alors que la Fédération Wallonie-Bruxelles devait s'attendre à perdre près d'un quart des 495 millions, j'arrondis, promérités dans le chef de l'Union européenne, dont le but, bien sûr, permettait de financer une transition énergétique et numérique en la matière. Et il ajoutait qu'il n'envisageait pas de compenser cette perte de recettes par des emprunts corollaires eu égard à notre exposition à la dette qui était déjà considérable. Dès lors, ne restait plus que revoir les projets, les diminuer, ou bien assurer un transfert de moyens financiers. Dans l'enveloppe belge, rappelons-le, la Fédération avait promérité 495 millions. Et dans ce plan, vous obteniez, à juste titre, Monsieur le Ministre, une part très importante, 230 millions, rien que pour les bâtiments scolaires. Et on peut en ajouter 100 pour votre collègue de l'enseignement supérieur, le solde allant pour les institutions culturelles, sportives, le numérique et autres. Mais le problème s'est encore corsé depuis lors. Parce qu'interrogé au Parlement wallon, mes collègues peuvent en attester, le ministre-président, Elio Di Rupo, a dit vouloir rédiger un plaidoyer pour la Wallonie, au terme duquel, selon lui, eu égard aux défis que doit rencontrer la Wallonie et aux conséquences lourdes sur le plan financier de la pandémie et des inondations, il était pour lui naturel et légitime que les autres entités fédérales et fédérées cèdent une partie de leurs moyens pour la région wallonne.
Vous voilà donc dans une situation difficile. On ne peut pas dire que le plaidoyer des lieux du repos soit totalement non fondé, mais je peux comprendre que pour ce gouvernement, il soit difficile de s'effacer face aux demandes wallonnes, surtout si on n'a pas d'assurance que le fédéral ou la Flandre, Bruxelles ayant reçu déjà beaucoup moins, ne soit également solidaire de la Wallonie. Alors, je m'adresse tout à la fois au ministre du Budget et au ministre en charge des bâtiments scolaires, et Dieu sait si nous en avons parlé aujourd'hui, quelle est votre approche à vous ? Parce qu'évidemment, vous êtes non seulement ministre du Budget des bâtiments, mais vous êtes aussi le chef de file d'un des trois partis de cette majorité. Alors, confirmez-vous l'approche du ministre-président, qui peut être raisonnable, sage, on va réduire d'autant les projets, et si tel est le cas, dès lors que vous en êtes le premier bénéficiaire, quels seront les moyens qui seront soustraits ou qui pourraient être soustraits à la ligne bâtiment scolaire, ou alors dans quel autre département voulez-vous organiser cette réduction ? Ou encore, espérez-vous prévoir des crédits de liquidation dès 2022 au fameux budget du milliard qui, aujourd'hui, ne repose que sur des engagements ? Je conçois que la réponse n'est pas facile, mais la question est pertinente, puisque nous sommes au lendemain de l'approche de l'Union européenne, et dès lors, vous devriez maintenant disposer des chiffres définitifs et nous indiquer au passage quelle sera la perte réelle pour la Fédération Wallonie-Bruxelles et la manière avec laquelle, comme ministre du Budget, comme chef de file du principal parti de cette majorité, vous entrevoyez le règlement à ce problème. Merci. Monsieur le ministre, je vous en prie. Merci, monsieur le président. Monsieur le député, comme chacune de vos questions, celle-ci est évidemment pertinente. Mais ma réponse va sans doute pas nécessairement vous éclairer davantage que celle du ministre-président. La réduction de l'enveloppe de la Belgique, bien qu'encore officieuse, sera confirmée au mois de juin prochain par la Commission européenne. Aucune décision n'a donc été prise concernant une éventuelle modification de la répartition de cette enveloppe entre les communautés, les régions et le fédéral. Il faudra le négocier, le cas échéant, probablement, hein, le négocier. Au sein de la fédération, les projets qui permettent de consommer l'enveloppe de financement européen sont en train d'être mis en œuvre, on en a un peu parlé tout à l'heure, et je rejoins le ministre-président, notre ministre-président, lorsqu'il a dit que la priorité est de permettre que ces projets aboutissent afin d'assurer leur financement. Une éventuelle réduction de leur ampleur, en prévision d'une diminution de l'enveloppe de financement européen, n'a pas encore fait l'objet de décision du gouvernement. Enfin, s'agissant de l'ajustement, comme vous le savez, il devrait être réalisé à l'automne. À ce moment, nous aurons reçu les informations officielles de la Commission européenne et le gouvernement pourra se positionner. Voilà ce que je peux vous dire en cet état des choses. Et je serais tenté de dire que ma priorité, c'est celle dont on parlait tout à l'heure. C'est de trouver une solution à la décision de la Cour. Parce que sinon, on aura vite fait la réduction. Et donc, ça sera fait tout de suite. Merci, Monsieur Antoine, pour une réplique. La réponse de Monsieur le ministre était courte. Elle n'est pas sans conséquence. Si je comprends bien, nous n'aurons pas d'ajustement en juin-juillet, puisqu'il nous donne rendez-vous à l'automne. Ce qui est compréhensible sur le plan de la séquence parlementaire, qui, pour moi, l'est un peu moins à la lumière, notamment des coûts d'explosion des crédits énergétiques. Alors, vous pouvez toujours travailler par une délibération du gouvernement pour anticiper l'ajustement. Vous pouvez le faire. Mais en tout état de cause, je ne vous conseille pas d'attendre la dernière minute pour répondre à des questions aussi urgentes. Rappelez-vous ce que M. Florent a dit tout à l'heure, à juste titre, il nous faut des signes à très court terme. Deux,
Vous voulez la réussite des projets, ça c'est un point commun avec le ministre-président. Par contre, là aussi, technique de l'antiphrase, vous n'avez pas été aussi loin que Louis quant à la non-compensation éventuelle par des emprunts. Vous laissez ça à discuter. Et si je rapproche ça de la volonté farouche du ministre de réaliser son plan bâtiment scolaire, on peut donc en déduire, Monsieur le Président, j'imagine que vous avez fait le même constat que moi, si on réduit, ce ne sera en tout cas pas chez moi. C'est ça que ça veut dire, hein, parce qu'il faut essayer de mettre toutes les pièces du puzzle en marche et dire à Pierre-Yves, si tu le veux, organise-le chez les autres. D'où cela, évidemment, nous indique la difficulté. Et là où deux socialistes sont réunis, deux ou trois, il y a toujours Elio parmi eux, puisque lui va venir dire « Mais oui, c'est à vous de faire les efforts ». Et là, monsieur le ministre, je le dis en souriant, quelle que soit la force de persuasion d'Elio Di Rupo, je n'ai pas le sentiment que ni les Flamands, ni les Bruxellois, ni le fédéral, ni même vous, n'allez lui dire « Elio, je donne ma part ». Ça, je n'y crois pas, ou plus exactement, je n'y crois plus. Donc la question était bel et bien pertinente. La réponse est prudente et incomplète, ça vous ne m'en voudrez pas de le dire, mais Monsieur le Président, ça me donne le plaisir d'ores et déjà de prendre rendez-vous avec le ministre. Tous les 15 jours, le lundi, c'est avec lui que je veux passer du temps. Merci, Monsieur Antoine. La question suivante est une question de Monsieur Suarez Angel. Je vous en prie, Monsieur le député. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Depuis plusieurs semaines, des informations préoccupantes circulent concernant la gestion financière de l'Athénée Royal de Gansour. Si nous avons déjà pu aborder la question de la gestion des infrastructures et de leur innovation dans cette commission, et on en a beaucoup parlé aujourd'hui, je vous ai déjà interrogé à plusieurs reprises sur la situation des bâtiments scolaires de cette école, et vous vous êtes déplacé récemment dans cette école. Les éléments liés à la vitalité financière inquiètent aussi bien les membres du personnel de l'Athénée que les parents d'élèves. Les syndicats aussi. Ces syndicats ont d'ailleurs demandé des informations officielles aux responsables de l'Athénée, plus précisément à la nouvelle préfète, arrivée dans l'école depuis le mois de septembre 2021. En instruisant le dossier, les renseignements récoltés m'amènent à vous interroger sur cela. Des documents du COCOBA de l'école circulent et font état d'éventuelles irrégularités. Dans les éléments que nous avons pu rassembler, nous trouvons des questions relatives à un contrat de gestion du parc informatique de l'école qui s'élèverait à un montant de quelque 900 000 euros par an. Deux sociétés se seraient partagées ces contrats et ces deux sociétés auraient par ailleurs le même propriétaire. Alors il apparaît qu'un montant tournant annuellement autour de ces 900 000 euros auraient été versés durant 12 années consécutives. Des membres du personnel et des syndicats nous disent qu'ils sont très surpris lorsqu'ils ont découvert, lorsqu'ils ont découvert ces montants. Pour rappel, l'Athénée Royal de Gansour rencontre aussi d'autres défis, comme je l'ai dit tout à l'heure, notamment en termes d'inclusion, voire de rénovation de bâtiments scolaires. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous faire le point sur la manière dont la passation des marchés est conclue? Pour rappel, au-delà de 31 000 euros hors TVA, la personne en charge de la direction de l'établissement doit passer par l'administrateur pour l'approbation selon la législation, des marchés publics. Confirmez-vous que l'ensemble des approbations ont bien été demandées? Pouvez-vous nous rassurer et nous indiquer si le marché n'a pas été confié dans le cadre d'un monopole à des prestataires privés, dont les sociétés dont on parle? Le cas échéant, une enquête a-t-elle été ouverte par l'administration? Qu'en est-il des vérifications des comptes pour les contrats passés? Plusieurs questions se posent autour de la gestion de ce parc informatique. En résumé, avez-vous été informé des problèmes liés à la situation financière de cet établissement? Confirmez-vous les montants légués? Y a-t-il raison de penser à des infractions à la législation, comme je l'ai dit? Existe-t-il une enquête diligentée par l'administration? Si oui, où en est-elle et quels en sont les résultats? Si les faits sont avérés, une procédure judiciaire est-elle en cours?
Concernant la situation de cette année scolaire, les contrats avec sa société courent-ils ou ont-ils été résiliés au vu de l'enquête lancée? Le parc informatique actuel de l'Athénée est-il compatible avec un tel investissement depuis des années? Quel est le montant payé aujourd'hui par l'Athénée pour la gestion de son parc informatique et d'autres écoles se trouvent-elles dans la même situation en Fédération Wallonie-Bruxelles? Je vous remercie pour vos réponses. Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre, je vous en prie. Merci, président. Merci, monsieur le député. Comme j'ai souvent l'habitude de le faire, et excusez-moi d'être parfois répétitif, mais je me permets d'attirer votre attention sur le fait que votre Parlement a délégué la compétence de PO de l'enseignement organisé par la communauté française à un PO autonome, à savoir WBE. Je tiens à le préciser, je l'ai déjà dit aujourd'hui, je le répète encore, je pense que c'est important qu'on sache dans quelle pièce, entre guillemets, on joue. Le contrôle des actes posés au sein des établissements de WBE est assuré en première ligne par les services centraux de WBE, dont le service de contrôle interne et l'audit interne. Le contrôle externe est, lui, assuré par les commissaires du gouvernement et par la Cour des comptes. En tant que ministre de tutelle, je n'interviens que si un commissaire introduit un recours ou si la Cour des comptes attire mon attention sur une situation problématique. En ce qui concerne la situation que vous évoquez, elle a été découverte par les services internes de WBE fin de l'année 2021 dans le cadre d'une vérification sur les dépenses en matière d'informatique. Suite à l'analyse réalisée, un contrôle sur place a été effectué pour obtenir plus d'informations. Si je peux résumer la situation, il s'agit principalement de reconduction de contrats en dépit de l'obligation de mise en concurrence ayant conduit à installer une situation de monopole de fait au sein de l'établissement. Des irrégularités en matière de marché public ont donc été mises en évidence. Suite à ce contrôle, les instances de WBE ont été mises au courant ainsi que les commissaires du gouvernement, les commissaires suivent attentivement l'évolution de ce dossier. Par ailleurs, l'absence de mise en concurrence constituant une infraction pénale, une dénonciation au parquet a été réalisée en janvier sur base des premières informations récoltées et les procédures ad hoc disciplinaires ont également été entamées fin 21 et arrivent à leur terme. Enfin, concernant les contrats problématiques, les prestations pouvant être interrompu immédiatement sans mettre à mal les infrastructures informatiques ont été arrêtées. Pour les autres prestations, une sortie progressive des dits contrats est organisée de manière à assurer la continuité du service public. La confidentialité inhérente à ce type de procédure ne me permet pas d'évoquer outre mesure les différents éléments des dites procédures de manière publique, évidemment. Le cas échéant, une communication plus ciblée, respectueuse des droits des différents intervenants pourrait être organisée. Je peux néanmoins constater deux éléments, et je terminerai par là. Depuis le contrôle effectué sur place par WBE, certaines personnes sous couvert d'anonymat font circuler une série d'informations, voire accusations, sans jamais fournir la moindre preuve. Ce genre de comportement ne me semble pas conforme aux valeurs prônées par l'enseignement officiel organisé que ces personnes prétendent défendre. Je ne peux que les regretter. Et deuxième élément, la situation a été découverte suite à un contrôle interne lancé par WBE. Au vu de la situation qui prévalait avant l'autonomisation de WBE, plus particulièrement de ces 10 dernières années, je ne peux que me réjouir des efforts que WBE met en place pour améliorer sa gouvernance interne. Et je pense que vous et moi, nous pouvons nous réjouir de cette évolution positive au sein d'un service public. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le député, pour une réplique. Merci à monsieur le ministre d'avoir fourni les éléments d'information malgré l'autonomie de WBE, bien évidemment. Mais vous serez d'accord avec moi sur le fait que la question n'a pas été introduite à partir du moment où des informations anonymes ont commencé à circuler. Cette question a été introduite à partir du moment où les syndicats et d'autres personnes qui sont en contact avec le dossier ont fourni des éléments qui ont été évoqués même dans un cocoba, donc officiellement, et où les responsables de l'Athénée ont confirmé les montants dont vous parlez.
Et donc, je pense qu'il est important, parce que, évidemment, dans la perception des citoyennes et des citoyens, il s'agit d'argent public. Et quand il s'agit d'argent public, les personnes sont absolument intéressées à ce que les mandataires publics puissent s'en saisir, ce que je fais aujourd'hui, sachant que les besoins de l'école sont énormes. Lorsqu'il y a eu des effondrements de plafonds des effondrements de plafonds et de bâtiments dans cette école, le préfet de l'époque m'avait dit « Nous sommes ici avec un chauffage à ciel ouvert ». On a parlé de la rénovation des bâtiments scolaires tout à l'heure. Les besoins sont énormes et il faudra que nous puissions suivre ce dossier. Vous avez annoncé, et là je vous rejoins lorsque vous dites qu'il y a une évolution positive, dans la mesure où un dossier a été ouvert au niveau de la justice. Je crois que les irrégularités qui ont été constatées, la procédure doit aller jusqu'au bout. Et si des personnes sont responsables de ces irrégularités et que 900 000 euros ont été dépensés durant 12 ans, je pense que ces personnes doivent être punies selon la rigueur de la loi. Et nous devons être absolument attentifs et attentifs à ce fait-là. Je vous remercie. Merci, Monsieur Suarez. Juste sur la problématique du dépôt de la question, je réinterrogerai la conférence des présidents sur ce questionnement. Mais il est tout à fait normal, dès le moment où la question est acceptée, qu'elle soit évidemment posée. Et donc, nous remercions le ministre, bien entendu, d'avoir répondu à cette question. Et ça n'a rien à voir avec vos questions, hein, Monsieur Suarez. Alors, concernant... donc on arrive à la compétence budget. Et donc, pour cette dernière question de Madame Bernard, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, ce sera une autre façon d'aborder un sujet qui préoccupe évidemment tout le monde ces derniers temps, puisque je voudrais revenir sur la question de l'augmentation des prix de l'énergie. Qui s'aggrave effectivement avec des prix qui atteignent des niveaux jamais vus. Le 8 mars, le prix de référence du gaz est monté à 345 euros par mégawattheure, alors qu'il était encore de 20 euros le mégawattheure en juillet dernier. Le prix de l'essence et du diesel atteint les 2 euros le litre et se dirige même vers les 3 euros. Le prix de l'électricité reste lui aussi élevé et donc ces augmentations de prix qui sont énormes ont évidemment un impact direct sur les citoyens, mais aussi sur les institutions. La communauté française n'est pas épargnée non plus, puisque la crise des prix de l'énergie a des impacts sur le chauffage des bâtiments publics, des écoles, sur le montant à dépenser pour le carburant utilisé par les agents qui sont en mission, etc. etc. Et donc mes questions, Monsieur le Ministre, avez-vous déjà pu évaluer l'impact de la montée des prix de l'énergie sur le budget de la communauté française, notamment sur la façon de financer le travail des agents de la fonction publique? Et comment le gouvernement va-t-il adapter son budget aux coûts supplémentaires entraînés par cette hausse de prix? Je vous remercie déjà pour vos réponses. Merci, Madame Bernard. Monsieur le ministre, je vous en prie. Merci, Président. Merci, Madame la députée, pour cette dernière question du jour. Comme vous l'indiquez, le prix de l'énergie atteint des niveaux très élevés. Et cela a un impact direct pour nos concitoyens et les institutions publiques. Pour ce qui nous concerne, en Fédération Wallonie-Bruxelles, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire lors de précédentes réponses sur le même thème ou des thèmes proches, au niveau des charges énergétiques de notre ministère, nous avons la chance de nous fournir via une centrale d'achat qui a permis d'amortir les hausses et de bénéficier de prix inférieurs à la moyenne du marché. Ces coûts n'ont donc pas d'impact significatif sur notre budget à ce stade. Je dis bien à ce stade. Pour vous donner un exemple, pour le gaz qui, comme vous l'indiquez, a connu une envolée des prix tout à fait historique, le ministère a bloqué ses prix en 2021 via l'achat anticipé sur les marchés. Cela nous permet donc aujourd'hui de nous fournir à des prix encore inférieurs à ceux que nous avons connus durant l'année précédente et qui sont plus de 4 fois moins élevés que les coûts de marché actuels. C'est un élément évidemment important. Concernant l'électricité, nous subissons une légère hausse des prix par rapport à l'année 2021, mais celle-ci est presque compensée
par la baisse que nous avons obtenue sur le gaz. Globalement, sur l'année 2022, nous nous attendons à une augmentation de nos charges énergétiques globales de l'ordre de 5% par rapport à 2021. Nous ferons donc un point sur ces estimations lors de l'ajustement budgétaire et adapterons notre budget en conséquence. Pour la suite, un nouveau marché devra être lancé pour couvrir nos besoins à partir de 2023. Mais il est trop tôt pour estimer l'impact financier que ceci pourrait avoir. En effet, nous n'en sommes qu'au stade de la préparation et bientôt du lancement. Les marchés sont à ce point volatile qu'il serait inopportun d'essayer d'en connaître le résultat pour l'instant. Concernant l'impact sur les agents du ministère, l'augmentation des prix de l'énergie entraîne évidemment une hausse du coût de la vie qui se traduit au niveau salarial par des indexations. À ce stade, sur base de prévisions du bureau du plan à la date du 1er mars 2022, les estimations, après une première indexation de la rémunération des membres du personnel au 1er février 2022, deux indexations sont encore à prévoir en 2022. Une deuxième indexation devrait intervenir le 1er avril et une troisième le 1er septembre. La charge supplémentaire en termes de rémunération pour le ministère peut à ce stade être estimée à un peu plus de 12 millions. Toutefois, il y a lieu de préciser qu'en cas d'indexation, les montants perçus du fédéral par la fédération Wallonie-Bruxelles pour son financement sont également indexés. Ce ne sont donc pas des dépenses supplémentaires à compenser par la diminution d'autres dépenses de la Fédération Wallonie-Bruxelles, par exemple. Un autre impact pour nos agents, comme vous le relevez très justement, se situe sur les frais de déplacement pour mission. Je peux vous indiquer à ce sujet que le taux de remboursement des frais de déplacement dans le cadre de missions de service s'élève actuellement à 0,3542 € par kilomètre. Celui-ci est révisé le 1er juillet de chaque année. En projection pour cette année, le taux passerait à 0,3707 €, soit une augmentation de plus ou moins 0,0165 € par kilomètre. Cette augmentation de l'indemnité kilométrique représente une augmentation de dépenses du ministère, c'est vrai, mais relativement modeste, en effet, de l'ordre de 60 000 € si nous nous basons sur les kilomètres parcourus en moyenne par les agents pour les missions de service avant la période Covid, évidemment. Comme vous pouvez le constater à ce stade, ces augmentations de prix n'ont pas d'impact significatif sur le budget de la Fédération, mais nous suivons la situation de près et mettons tout en œuvre pour qu'elle reste évidemment maîtrisée. Voilà. Merci, Monsieur le Ministre. Madame Bernard, pardon, pour une réplique, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre, pour vos réponses. Et donc, effectivement, vous avez parlé tout à l'heure du marché public et de la centrale d'achat. Mais je vous posais la question parce que moi, j'avais cru comprendre que c'était une centrale d'achat qui était pas complète pour l'ensemble de la communauté française, puisque vous avez expliqué tout à l'heure qu'on allait étendre et élargir le périmètre. Donc, voilà, je pense que... Et donc, nos dépenses, éventuellement la dépense d'autres PO qui pourraient adhérer à notre centrale. Et donc, on peut leur en faire bénéficier. Si ils n'adhèrent pas, c'est pas pour ça que notre budget est impacté. Vous comprenez la différence, hein ? Je comprends, sauf que leur budget va être impacté et donc les demandes qu'ils vont rentrer dans les dossiers de subsidisation vont évidemment être modifiées en conséquence. Donc il y a effectivement beaucoup de répercussions dont il faudra tenir compte et je pense qu'il faudra être très créatif. Il y a plusieurs propositions qui circulent au niveau de comment faire face. Et donc, il y a notamment cette proposition de demander au niveau fédéral de bloquer les prix. Et donc, je pense que dans les différentes rencontres interministérielles ou avec les collègues de vos partis qui sont dans le gouvernement fédéral, il y aurait des questions à poser de ce côté-là, de sorte que, effectivement, l'impact ne soit pas trop fort, ni pour les citoyens, ni pour les institutions. Je vous remercie.
Je vous remercie. Ceci clôture donc nos travaux. Merci, monsieur le ministre. Merci, chers collègues. Merci aux services qui nous aident et nous accompagnent lors de nos travaux. Bonne journée.